adaptée au grand public à la télévision et diffusée sur une boucle de 15 personnes du voisinage avec des gens qui vont se servir de ça pour agresser les personnes. J'ai lu que la visite n'aurait plus accès aux bandes sans floutage. C'est évidemment faux. C'est textuellement écrit au dernier alinéa de l'article 24. Le dispositif que nous présentons se veut une limite nécessaire, adaptée et proportionnée au principe de la loi du 29 juillet 1881, à laquelle nous tenons et qui admet d'ailleurs déjà la sanction de la provocation directe à commettre un délit. Nous instituons simplement une règle particulière explicite à côté de cette infraction générale. Nous pensons de ce fait qu'il ne devrait pas y avoir de difficultés et nous sommes donc défavorables à cet amendement 179. Effectivement, il n'y a pas écrit le floutage. Mais le fait de diffuser, encore une fois, c'est tout à fait légal, nécessaire et défendu et garanti par tous nos droits fondamentaux. Donc non, monsieur le rapporteur, la diffusion publique qui permet d'identifier des agents de l'État, policiers ou autres, est permise par la loi. La diffusion. Ce à quoi vous faisiez référence, ce qui est tout à fait répréhensible et qui doit être sanctionné. Salut. Oui, on entend Daniel. Je fais au plus. Des informations à caractère privé, bien sûr, mais on a les armes pour sanctionner cela. Donc ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Là, ce que vous mettez en cause, c'est le fait que si la menace de sanction va amener à la nécessité de flouter, si on diffuse des informations qui identifient des forces de l'ordre, les personnes risquent ce type de sanctions. Et c'est ça qui induit, c'est le problème qui induit. Et sur le Rio, je pense qu'il y a eu suffisamment au cours des derniers mois, justement, des signalements nombreux sur le fait que bien trop d'agents ne rendaient pas visible leur Rio. Et c'est attesté d'ailleurs par des vidéos, justement, où vous avez des agents qui refusent de donner leur Rio. Donc, c'est ça qui est un problème fondamental. Et encore une fois, juste pour finir, on a quand même un texte qui développe et généralise de manière massive les outils de surveillance et de télésurveillance, de vidéos, d'enregistrement des citoyens. Et les seuls moments où ce sont les citoyens et des instances de contrôle qui pourraient contrebalancer ce pouvoir de l'État, vous leur refusez. Et c'est ça qui est problématique. Je vous remercie, Madame Muccio, puis Monsieur Puglia et Madame. Ouais, on est en plein dans l'article 24 sur le fait de qu'on ne puisse pas filmer, porter atteinte à l'intégrité physique et psychique des policiers. Voilà, donc je vous laisse écouter un petit peu. Moi aussi, je vais écouter pour savoir où on en est précisément. Je vous rappelle que vous pouvez suivre les amendements sur Elias. Et là, c'est Naïma Mouchou de la République En Marche. 1880, ça n'est pas un totem, mes chers collègues. Elle a été modifiée à plusieurs reprises. Ah, le totem. Et en fonction des évolutions de la société. Les réseaux sociaux, c'est une évolution de la société. Les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance. Et vous le savez, se sont multipliées les vidéos, et notamment les vidéos d'intervention de policiers. D'ailleurs, il y a même des groupes qui se spécialisent à travers tout le territoire national pour aller filmer les policiers en intervention. C'est un phénomène qui existe. Il peut y avoir des dérives. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. D'abord, je voudrais rappeler qu'un policier ne peut pas s'opposer à être filmé aujourd'hui. Et ce texte n'y change rien. Non, rien. Totem. Et c'est faux de dire le contraire. Un policier continuera à être filmé, que ce soit par un journaliste ou par un particulier. Ensuite, il existe déjà des cas dans lesquels on ne diffuse pas l'image de catégories d'individus, vous le savez. Alors ça peut concerner ceux qui travaillent dans la lutte contre le contre-espionnage, la lutte contre le terrorisme, ceux qui interviennent dans le cadre du RAID, par exemple. Ça existe déjà. Ce que fait la proposition de loi, c'est étendre à une catégorie plus large, effectivement, qui est celle des policiers. Est-ce que c'est une entrave à la liberté d'informer ? Moi, je ne le crois pas. C'est un souci légitime de sécurité qui peut se concilier à la liberté d'expression. Tout dépend de la rédaction.
Cette rédaction qui nous est proposée, elle va dans le bon sens. Elle peut peut-être être améliorée. Et je vais proposer, je pense... On arrive pile au bon moment, hein, puisque c'est les amendements de suppression de l'article 24, hein, sur... article 24. Concilier et que notre responsabilité, c'est effectivement... Je le retrouve et je vous dis ce qu'il est écrit exactement. À partir du moment où il y a une intention de nuire. C'est une frappe chirurgicale sur ce sujet. C'est l'intention de nuire et donc c'est le caractère intentionnel qui est recherché dans cette disposition. Je vous remercie. Madame, monsieur Rudigoz. Oui, non, je vais juste aller dans le sens de ma collègue... Ok, on s'en fiche un peu de ce que va dire Rudigoz, ça va pas être très intéressant. Donc, vous relire l'article 24, il dit « est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police ». Et après, c'est ajouté, l'article 80 de la loi de 81 ne font pas obstacle à la communication aux autorités administratives judiciaires compétentes dans le cadre de procédures contingentes d'images et éléments d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale, d'un militaire, de la gendarmerie nationale. Donc la ligne de défense d'En Marche, c'est de dire, pardon, on n'interdit pas de filmer, c'est juste si c'est dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Le fond de l'affaire, c'est quoi l'atteinte à l'intégrité psychique ou physique. Est-ce que le fait de, ne serait-ce que filmer le policier, que lui, il considère que ça porte atteinte à son intégrité psychique parce qu'il n'a pas envie d'être filmé, est-ce que ça lui suffit pour ensuite déclencher ce qui le permet le code de procédure pénale, c'est-à-dire de saisir le matériel, placer la personne en garde à vue, le traîner devant la justice, transmettre au parquet, comme quoi il y a une infraction, etc. C'est ça qui va se passer concrètement le modèle. Donc effectivement, l'article ne dit pas « vous êtes obligé de flouter », il dit pas ça du tout, il dit pas « vous ne pouvez pas filmer », il dit pas ça du tout, il dit « vous pouvez pas filmer et diffuser dans ce but-là ». Donc voilà leur ligne de défense, sauf que ça offre des moyens de droit et de coercition sur la simple appréciation du policier. Bien sûr qu'après sans doute le parquet dira « mais non, le policier n'avait pas à saisir le matériel et la personne n'a pas à être poursuivie, il y a un classement sans suite ». Ça s'est bien fait, mais en attendant, vous êtes fait saisir votre matériel et vous n'avez pas pu filmer. Voilà, c'est ça la réalité de ce qui va se passer. C'est qu'aujourd'hui, les policiers ne peuvent pas le faire, et quand ils le font, quand ils prennent le téléphone à quelqu'un, qu'ils tapent sur son téléphone, qu'ils cassent son téléphone ou sa caméra ou son machin, c'est eux qui sont en infraction. Là, ce ne sera plus le cas. Ce ne sera plus le cas parce qu'il n'y aura pas ensuite des poursuites contre les policiers et ce qui s'en suit. On écoute la rapporteure. La présidente, je crois en effet qu'il faut être très précis sur ce que le texte prévoit et ce qu'il ne prévoit pas. Il ne s'agit en aucun cas d'empêcher les journalistes de travailler. Et le texte ne touche pas au droit d'informer des journalistes ni à celui des citoyens. De quoi parle-t-on très concrètement? Je vais vous donner un exemple. Eh bien, ce sont des forces comme de l'ordre les outrages, qui reconnus, c'est ça. Des agents qui sont reconnus, qui sont identifiables et qui sont jetés en pâture sur les réseaux sociaux avec des appels à la violence, des appels aux représailles et qui peuvent engendrer des conséquences très graves. Ça n'est pas un cas d'école. Nos forces de l'ordre travaillent à visage découvert et nous devons, et de notre devoir en tant que législateurs, de les protéger quand ils sont victimes de tels actes. Le texte, il est très précis sur ce qui est répréhensible et l'intention malveillante doit être caractérisée. Salut, c'est Mr. la linéa 2 de l'article 24. Il faut caractériser, je cite, dans Merci le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Et j'ajouterai, pour être complète sur cet article 24, que nous sommes hors cas de procédure disciplinaire ou judiciaire contre un agent. C'est le dernier alinéa de l'article. Ce sera un avis défavorable sur la suppression de cet article qui est très important. Je vous remercie, Madame Paul-Angevin. Et après, on met au vote. Ah, Monsieur Mazard. Paul-Angevin. Je pense que depuis l'année dernière, nous tournons autour de ces questions-là sans arriver à trouver une bonne solution. Et un des éléments qui me semble être négatif, c'est qu'on continue à vouloir mettre dans la loi sur la presse des problèmes qui, en réalité, concernent surtout les réseaux sociaux. Alors que, justement, quand on a fait la loi de 1881, eh bien, les réseaux sociaux n'existaient pas. Ce qui fait qu'on introduit, on met dans une loi sur la presse des choses qui concernent des gens qui ne sont pas des journalistes, qui n'ont pas la déontologie des journalistes, et par conséquent, avec un formalisme.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plus le son? Ça ne permet pas réellement d'être utile à l'égard des réseaux sociaux, parce que justement, c'est une loi qui n'avait pas été bâtie pour ça. Donc je sais que la loi Avia a été un peu détricotée par le Conseil constitutionnel, mais je persiste à penser qu'il vaudrait mieux reprendre le problème à part pour tout ce qui concerne les réseaux sociaux. D'ailleurs, la LICRA demande depuis plusieurs années qu'on sorte les discours de haine de la loi de 1881 sur la presse. Et je pense que tant qu'on va vouloir faire rentrer dans une loi qui n'est pas faite pour ça tous ces problèmes nouveaux, on ne va pas arriver à faire des choses qui soient de bonne qualité. Je vous remercie. Donc je vais mettre aux voix... Monsieur Mazard, je suis désolée. Oui, je ne veux pas être redondant, mais je crois que c'est quand même important parce qu'il y a un petit peu un procès d'intention qui est fait donc, à ceux qui nous proposent donc, cette loi de vouloir museler la presse et de vouloir lui interdire effectivement de faire son travail d'information auquel nous sommes tous, bien évidemment, tous très attachés ici. Je crois qu'on ne peut pas dissocier l'image du texte. C'est la captation de l'image avec la volonté par un texte qui appelle à la haine, par exemple, qui va être visé dans cette proposition de loi. Et soyons très clairs entre nous, je ne vois pas un journaliste aujourd'hui digne de ce nom, capter une image et tomber sous le coup de l'article 24 de la proposition de loi. On parle dans le vide. C'est pas du tout le sujet. En fait, ce qui est visé ici, c'est l'activiste qui va capter une image, peut-être effectivement prise par un journaliste, mais peu importe, lui, il la prend à son compte, il la détourne de l'esprit initial et il en fait effectivement une cible potentielle pour sa communauté d'activistes. Voilà ce qui est visé avec l'article 24. Ce n'est pas du tout une volonté de museler les journalistes. Et je crois que ce serait même faire insulte aux journalistes, dignes de ce nom, de laisser à penser qu'ils peuvent tomber sous le coup de l'article 24 de la proposition de loi. Je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix ces amendements de suppression qui ont tous reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Bon, j'écrivais à Daniel des petits arguments, des argumentaires en parallèle, mais c'est déjà sa deuxième d'abord intervention. Deux amendements identiques. Maintenant, va devoir faire sur les alinéas. Présentés par monsieur. Je lui dis, il faut rabâcher les argumentaires, ceux que je vous ai donnés juste avant. Attendez, je ne suis pas sur le chat, donc il ne faut pas ce que vous mettez. J'ai plus votre nom, Yann Boucard, excusez-moi. C'est la peine. Merci, ma présidente. Je vais être très court, je vais dire défendu. J'ai mis plus de temps à trouver votre nom que vous à défendre votre amendement. Et donc, pour le groupe Agir, je mets un petit message encore aussi à Daniel. Vous n'avez pas un choix vers Jonathan. Je vous laisse écouter. Pour le 245. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Et nous souhaitons, nous aussi, protéger les forces de police et de gendarmerie contre ce type d'agissement qu'a très bien décrit mon collègue Stéphane Mazard. J'appelle tout de même l'attention de mes collègues sur la difficulté qu'il y aura à réunir les éléments constitutifs de cette infraction a posteriori. Et c'est plutôt dans cette optique que nous avons souhaité, en déposant l'amendement qui vise à retirer les atteintes à l'intégrité psychique, nous avons souhaité limiter donc cette interdiction, l'infraction de diffusion de vidéos permettant d'identifier policiers ou des gendarmes agissant dans le cadre d'une... J'ai dit à Daniel, demande-leur, est-ce qu'un policier qui se sent menacé en manifestation parce qu'il est filmé pourra, sur son appréciation, confisquer le matériel et placer en garde à vue la personne qui filme? Voilà. Voyons ce qu'il répond. Jusqu'à ce qu'elle ait une réponse. Je vais lui mettre jusqu'à ce que tu aies une réponse. Allez, je remets Apple Direct et je lis ce que vous m'avez mis, que j'ai raté. Bien, sur l'emploi des forces de l'ordre. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, monsieur le rapporteur, sur ces trois amendements. Merci Greg du 47 000. Ça marche. Sur le premier, le 127, hein, c'est ça? C'est sympa, à vous. Il a été défendu, celui-là? Oui. Ouais.
C'est un avis défavorable. Oui, c'est déjà interdit par la loi. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être évoquées. C'est ça qui est dingue. De le répéter, je vous en remercie. Et c'est mieux pénalisé dans d'autres articles du code pénal. De faire flouter les visages. Nous n'avons pas l'intention de faire flouter les visages et les signes particuliers des policiers et des gendarmes par principe. Il ne s'agit pas de construire le secret, l'impunité ou l'immunité que fantasment certains. Il s'agit d'apporter une protection dans la limite nécessaire, dans les proportions nécessaires, à un risque portant sur l'intégrité physique et psychique ou psychique de l'agent. S'il n'y a aucun risque, il n'y a aucun problème, aucun intérêt général ne justifie que l'on encadre la liberté d'expression à laquelle nous tenons tous et dont nous sommes les garants ici à l'Assemblée nationale. L'amendement mettrait un terme à tous les reportages télévisés sur l'action de la police et de la gendarmerie, que ces institutions réclament, ne réclament pas d'ailleurs, pour communiquer sur les dangers de l'imprudence routière, sur l'étendue de leur action, etc. Flouter les intervenants n'aurait ni ici aucun sens, il faut en convenir. Salut, Monsieur Edger, plaisir que tu sois là. Amendement 127. Et ensuite, c'est le 215, c'est ça, Madame Président ? Donc, identique, pareil. Identique, pareil. 245. Alors, il se passe quoi, là ? On est sur Elias. Sur le psychique et sujet. Le physique. Chers collègues, cher Mme Michianski, donc voilà, je suis en désaccord. Veulent supprimer le « dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique ». Donc là, ils veulent qu'on puisse, qu'on empêche. La commission des lois... Ils veulent qu'on empêche de filmer les policiers, point barre. Ont insisté à plusieurs reprises, comme ça c'est clair. Tous les textes, dans tous, sur les violences conjugales notamment. Oui, c'est vraiment pourri, Elias, The Winner. Physique, et que les violences psychiques sont bien quelquefois plus importantes que les violences physiques. C'est ce qu'on appelle les violences invisibles, quelquefois. Le code pénal le reconnaît d'ailleurs explicitement dans l'article 222.14.3, au terme duquel les violences sont réprimées, quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologique. Notre rédaction ne fait donc que reprendre celle qui est en vigueur dans les textes et dans la jurisprudence. Je suis donc défavorable et j'en suis désolé à votre amendement, sauf s'il est retiré, bien évidemment. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Je voulais répondre à Madame Wisniewski sur le CL 245. Vous proposez de supprimer ou psychique. Moi, Du coup, sur le psychique, je vous rappelle que... Tiens, ça bug, tant mieux, ça bug, je pourrais parler. C'est sur cette base que Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de nos autres collègues ont été condamnés, vous savez, pour rébellion, outrage, etc., puisqu'il y avait des policiers qui avaient eu jusqu'à 8 jours d'ITT pour le préjudice psychologique, psychique, hein, moral, qu'ils avaient subi. Voilà, ce qui fait... Donc, c'est pour vous dire que la dérive, elle est déjà actuellement utilisée dans la loi et par le judiciaire. Tiens, os politique. Coucou. Ça fait plaisir. Votre proposition pour ces raisons. Je vous remercie, Monsieur Rupin. C'est Rupin et pas Ruffin. Merci, Madame la Présidente. La République en marche. Notre collègue Wisniewski, je pense, pose un débat tout à fait légitime. Et donc, Laurence Wisniewski, le modem, dit non, pas le psychique. C'est seulement si vous voulez porter atteinte à l'intégrité physique en filmant que vous ne pouvez pas filmer. Et là, à la limite, on s'en fout, voilà, ça me passe pas de problème, c'est déjà puni par le code pénal, ça fera un truc de bavardage dans la loi. Bon, allez, on écoute. Rupin, un peu mini-frondeur, on va dire, sur ces sujets-là. ...tellement améliorable pour la séance. Ceci dit, moi je reviens sur le débat que notre collègue Georges Pollangevin a mis sur la table. C'est vrai qu'on a eu un changement profond avec l'arrivée des réseaux sociaux et aussi avec l'arrivée des smartphones, qui nous permettent de filmer tout et tout le temps. Allez, Os, je la fais pour toi. Rupin, c'est pas comme Ruffin. Ou Ruffin, c'est pas comme Rupin. Voilà. Ruffin, c'est pas comme Rupin. Allez, elle était pour toi aussi, Mystery Job. Qui font leur travail, qui n'ont pas forcément fait de faute, mais parce qu'ils font leur travail et que ça dérange certains citoyens, eh bien, ces citoyens-là s'organisent pour leur mener la vie dure. Et donc avec souvent des effets néfastes qu'on peut appeler du harcèlement et donc des violences psychiques. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de le garder dans le texte pour l'instant, même si peut-être il faut que nous puissions travailler à la précision de cet article.
Je vous remercie. Alors, j'ai M. Molac, Mme Obono, puis Mme Wisniewski. Oui, le terme de psychique me pose effectivement problème parce que je ne vois pas trop comment le caractériser. Et pour moi, c'est du harcèlement. Donc, s'il y a du harcèlement, effectivement, il y a déjà des lois pour ça. Parce que là vous êtes en train... Là, et puis, l'exemple de notre rapporteur, les violences conjugales, il s'agit de personnes qui sont sous influence. Ce n'est pas pareil que d'avoir une cabale de harcèlement sur Internet. Ce n'est pas la même chose, hein, ce n'est pas le même niveau. Donc, moi, je me demande si on n'est pas en train d'ouvrir un peu quelque chose, là, alors qu'il suffirait tout simplement d'appliquer les lois sur le harcèlement. Je vous remercie. Madame Obono. Allez. Effectivement, il existe déjà des outils et les exemples donnés par les collègues de la majorité le montrent sur l'incitation à la violence, sur la menace, sur même l'injure, l'insulte publique, avec des circonstances aggravantes. Et on en a suffisamment parlé quand il s'agit de personnel dépositaire de l'autorité de l'État, tout cela existe déjà. Et quand vous dites que c'est le fait de diffuser une image avec un texte qui incite, etc., une même image peut être accompagnée d'un texte élogieux comme d'un texte qui passerait sous le coup de la loi. Et donc, il y a les outils qui existent pour ça. Le problème de ce qu'induit votre rajout, qui en fait ne porte pas tellement sur les sanctions à appliquer en cas d'outrepassement de la loi, puisqu'elles existent déjà, c'est que ça va amener à l'autocensure et ça va amener au défloutage que mettent en cause. Et encore une fois, ce n'est pas certain. Ce sont des journalistes, donc des personnes directement concernées qui savent quel est leur métier. Je pense que c'est quand même important d'entendre ça et pas de renvoyer ça, en fait, à des conspirations de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ce sont des gens qui sont directement impliqués dans ce genre de travail, de diffusion de l'image et qui vous disent, et qui nous disent aujourd'hui que cette mesure met en cause leur travail. Et au-delà même de la question, et moi je pense que c'est tout aussi fondamental que des citoyens aient le droit de rendre public. Et donc, le problème, et encore une fois, ce n'est pas non plus juste certain, quand je vous parle de la défenseure des droits, qui dit que justement cette formule, dans le but de porter atteinte à leur intégrité physique et psychique, est trop imprécise et ouvre le champ et ouvre une boîte de Pandore qui va mettre de l'intentionnalité dans tout un tas d'attitudes qui ne le sont pas. Merci. Et donc, oui, il faudra attendre le juge. Mais justement, pour prévenir ce genre de choses, il va y avoir de l'autocensure et il va y avoir... Et moi, je pense qu'en vérité, ça ne change rien, en fait, au problème de la viralité. S'il y a un problème, c'est encore un autre débat. Mais ce qui est sûr, c'est que ça remet en cause des libertés fondamentales. Et merci, ce sont, Madame encore Bruno. Une fois, des autorités compétentes en la matière qui le disent. Merci. Madame Wisniewski. Oui, je voulais préciser que, bien entendu, ce type de comportement peut induire des atteintes au moral ou déprimées. Bon, je ne le nie pas du tout. Avec l'amendement que nous avons proposé, j'ai bien dit que nous nous inscrivions dans le cadre de la réunion d'éléments constitutifs d'une infraction a posteriori, ce qui va être quand même déjà très délicat. Alors, autant sur l'intégrité physique, ça peut se rapporter, ça peut être réuni, les éléments constitutifs peuvent être réunis assez facilement, encore que. Autant sur l'atteinte à l'intégrité psychique, qui fait par ailleurs l'objet de qualifications plus spécifiques qui ont déjà été évoquées par mes autres collègues, je crois qu'on ouvre beaucoup trop large. Merci au regard Angélie, de l'impératif Tirchaï, que nous avons dans tous Euphrosine, les cas de maintenir Lydrix un équilibre entre deux principes. Le principe à l'intégrité physique, évidemment, du policier ou du gendarme, et nous devons protéger cette intégrité, et la liberté de la circulation de l'information, indépendamment même de l'intervention des médias. Voilà, je voulais apporter cette précision. Loin de moi, l'idée de penser que nous ne pourrions pas être atteints dans notre morale. Mais là encore, il faut trouver un équilibre entre deux principes. Je vous remercie, Monsieur Rudigoz. Oui, moi je crois au contraire que le qualificatif de psychique est certainement peut-être encore plus important que physique. Il sera peut-être encore plus utilisé ensuite
par la justice, parce que bien sûr qu'il y a une volonté de protéger pour des agressions physiques, et c'est bien le corps de cet article, mais on peut imaginer aussi, via les réseaux sociaux, une capacité par certains, tout à l'heure, Paco Rupin a parlé dans certains quartiers de certaines bandes délinquantes agissantes et qui voudraient protéger leur territoire de leur trafic et ne pas du tout apprécier la présence et le travail fait par des policiers du secteur. Et bien évidemment que l'utilisation, suite à une intervention de police dans ce quartier pour une saisie de stupes qui serait filmée avec des téléphones portables, des smartphones, et ensuite diffusée sur les réseaux sociaux pour mettre la pression à ces familles, notamment via les enfants. Et je pense qu'on n'aura peut-être pas d'intention d'agression physique, et ça ne sera pas réalisé, mais il y aura certainement ensuite des pressions psychiques et via la famille. Et c'est cela qui est de plus en plus insupportable pour ces représentants des forces de l'ordre, parce que ce n'est plus seulement eux qui sont en première ligne et qui sont en danger, c'est aussi leur famille. Ah, la famille. Je vous remercie, Monsieur Pouliat. Oui, pour ajouter, les témoignages se multiplient de la part des fonctionnaires de police, comme quoi que, alors je pense plus police parce qu'effectivement ils habitent au cœur des quartiers, contrairement aux gendarmes qui habitent en caserne. Les témoignages se multiplient sur le fait de devoir déménager, devoir enlever les enfants de l'école. Alors il n'y a pas d'agression physique effectivement, mais quand on ne peut plus envoyer ses enfants à l'école parce qu'ils sont harcelés ou maltraités, parce qu'ils sont fils de flics, eh bien, je pense que c'est de la pression psychologique. Voilà. Je vous remercie. Donc, je vais... Madame la rapporteure ? Juste un mot, Madame la Présidente. Simplement, pour éclairer nos débats, d'ajouter que si nous devions voter votre amendement, et c'est la raison pour laquelle moi j'y suis farouchement opposée, eh bien, nous ne permettrions plus d'intégrer dans le cadre du dispositif les actes d'intimidation. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Oui, juste pour dire que là où je suis d'accord avec Laurence Wyszynski, c'est qu'effectivement, c'est difficile dans l'enquête de relever la c'est moins évident de relever une blessure invisible, une blessure psychique. Et c'est sans doute ça, effectivement, je ne l'avais pas compris au départ, mais c'est sans doute ça qu'elle a voulu dire, qu'une blessure physique, effectivement. Pour autant, il faut qu'on laisse le terme dans l'article. Merci. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Donc, je vais mettre aux voix ces amendements. Donc, tout d'abord, les deux amendements identiques, le 127 et le 215, qui ont reçu donc des avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils ne sont pas adoptés. Et l'amendement 245, qui a également reçu un avis défavorable, qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Nous avons ensuite des amendements pouvant être soumis à une discussion commune, et le premier d'entre eux est un amendement des rapporteurs. Allez, j'espère que Daniel pourra reprendre la parole. Oui, Madame la Présidente, merci. De leur porter atteinte à cet amendement, il vise dans le texte de substituer au mot, à la périphrase, fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale. De le changer par agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, autre que son numéro d'identification individuelle. En fait, en réalité, on vise deux choses. D'abord, d'étendre cette protection-là, non pas uniquement au départ aux fonctionnaires ou aux militaires de la gendarmerie, mais à tous les agents. Pourquoi ? Eh bien, vous souvenez sans doute de cette agression, ce meurtre à Magnanville par un terroriste, et cette prise d'otage du petit garçon. Moi, je m'en souviens bien, puisque c'est moi qui dirigeais à cette époque-là l'assaut. Le mari était un commandant de police et l'épouse était une administrative de la police, mais ils ont été tués escalité. Donc, nous voulons ouvrir cette protection-là, non pas uniquement aux fonctionnaires. Alors là, il parle de l'assassinat de Magnanville, qui n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des fonctionnaires qui aient été filmés en amont et mis sur les réseaux sociaux lors d'une manif. Le mec avait fait du repérage en amont et il a agressé la dame qui était en fait personnel administratif de police. Elle a travaillé dans le commissariat, mais elle n'était pas elle-même policière. Et il croyait avoir tué une policière. C'est vous dire qu'il n'était pas du tout le plus futé dans la commission de l'infraction.
et qu'il a tué le mari d'une policière. Et en fait, le mari de, de celle qui pensait être la policière, lui était vraiment policier dans le même commissariat. Donc, sur la base d'un vrai attentat qui a eu lieu, d'assassinat odieux et dégueulasse, ils en tirent des conclusions qui n'ont rien à voir. C'est juste... C'est de la manipulation, quoi. De la mauvaise foi, de la manipulation, du mensonge, tout ce que vous voulez. C'est juste insupportable. Allez, on écoute les conneries de Thauvergue. L'agent, de voir de qui il s'agit, et c'est absolument important que de le remettre visible. Je vous remercie. Donc, dans cette discussion commune, un certain nombre d'amendements. Le 129 va nous être présenté. Bien dit, le vrai Clint. Oui, très brièvement, parce que finalement, c'est le même objectif que celui que le rapporteur vient d'expliquer, c'est d'y ajouter finalement toutes les personnes qui travaillent soit pour la gendarmerie nationale, soit pour la police, qui soient ou non fonctionnaires. Je vous remercie. Quoi, donc le 88, Madame Ménard. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui va vous plaire. Il va évidemment dans le même sens que celui présenté par mon collègue Boucard ou Monsieur Fauvergue. Mais il ajoute effectivement la Elle protection aux policiers municipaux d'un et militaire champêtre. De la gendarmerie nationale, d'un policier municipal slip, ou d'un garde champêtre. Et nous voilà retrouver nos gardes champêtres. Bah, oui, ils peuvent être amenés, comme les policiers municipaux, à réaliser certaines interventions. Et au cours de ces interventions, ils peuvent être aussi filmés. C'est pas une blague sur champêtre, Mr. Hager. Je pense qu'il convient donc de les protéger au même titre que les autres. Je vous remercie. Je vous remercie. Le 33, Monsieur Boucard. Eh ben là, je propose d'y ajouter les policiers municipaux, toujours dans le même esprit que tout à l'heure. Et en plus, ça avait marché, parce que pour la première fois, Monsieur le rapporteur m'avait pris mon amendement. L'idée, puisque c'est un texte qui traite beaucoup de la police municipale, c'est de pouvoir les insérer également dans cet article. Et oui, Arnaud. Je vous remercie. Monsieur, on a des anecdotes à raconter. Pour Madame Luquet, qui n'est pas avec nous, Monsieur Mazard, pour le 74, Monsieur Miss, excusez-moi. Oui, merci Madame la Présidente. Ben, cet amendement que je dépose avec mon collègue Mazard, effectivement, vise dans le même esprit que le rapport d'Alice Thoreau et Jean-Michel Fauvergue le précise pour le continuum de sécurité, d'habiliter d'une certaine manière tous les agents qui sont exposés aux mêmes risques et menaces que les forces de l'ordre. Je vous remercie. Et pour terminer, Monsieur Boucard, pour le 34... Eh ben, je propose aussi d'y ajouter un agent des douanes dans le même esprit de ce qu'on a fait tout à l'heure. Oui, les douanes, allez ! Quelqu'un a quelque chose à proposer ? Ils peuvent être touchés également par exactement tout ce que vous avez dit. Des idées rigolotes, c'est le moment. Allez-y, si vous voulez pas être filmé. Peut-être même d'ailleurs prioritairement des images qui peuvent être filmées en prison et ensuite envoyées sur les réseaux. Votre intégrité psychique ou physique, là, allez-y, c'est le moment. Madame Opel. En plus, ça me fait chier qu'elle soit passionnée par la garde champêtre parce que moi aussi, bon voilà. J'ai pas compris ta blague, Mr. Hedgehoff. Faut que tu me l'expliques. Je souhaite y ajouter les pompiers professionnels et pompiers volontaires. Il ne faut pas oublier qu'ils font partie de la code... Je vais voir s'il y a un filtre pour me flouter. Certes, sécurité civile. C'est le cas à Nantes. Ils sont de plus en plus agressés sur leurs opérations. On a des chiffres, d'ailleurs, depuis 2007. Les agressions des sapeurs-pompiers ont plus que triplé. En 2018, elles ont augmenté de presque 21%. C'est un fait. Et je pense que, par ailleurs, ils ont envie d'être reconnus comme sapeurs-pompiers, comme faisant partie intégrante de la force de sécurité intérieure. Merci. Je vous remercie. Donc, monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements ? Ouais, non, c'est... Bien. C'est vraiment flouté, là. C'est un truc sur le mien, j'ai déjà un avis favorable. concernant... non, mais sans plaisanter. Concernant l'ensemble du périmètre de cet article-là et sur les populations que vous avez tous... les unes et les uns et les autres indiqués, il y a une vraie réflexion à avoir, telle qu'on l'a eue dans l'article précédent. Moi, je vais vous dire la chose suivante. Je pense que actuellement, on n'est pas mûr pour ouvrir ce périmètre-là. Je propose donc de laisser les 15 jours de réflexion qui nous séparent de l'hémicycle. Pour que les uns et les autres vous déposiez vos amendements, pourquoi pas des amendements identiques, comme ça tout le monde sera plus ou moins satisfait dans ce domaine-là, puisque en fait on défend tous à peu près les mêmes choses, et puis on verra, on jugera comment on peut ouvrir de cette manière-là après avoir consulté
après avoir consulté. Voilà ce que je vous propose. Donc, ça sera une demande de retrait pour l'ensemble des amendements que nous avons là, pour les redéposer, si vous voulez bien, en amendement identique à l'hémicycle. Voilà quels sont les avis. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Donc, brièvement, monsieur Bouca, pour tous les amendements déposés par votre groupe, dites-moi ce que vous faites. Merci. Non, on ne va pas les retirer. Mais je voudrais bien comprendre la position du rapporteur. En fait, vous êtes plutôt favorable à tout ce qu'on vient de proposer, mais quand vous dites « on n'est pas mûr », aujourd'hui, ça veut dire quoi, on n'est pas mûr? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez besoin, j'extrapole, hein, mais de demander l'avis du gouvernement, etc., qui n'est pas présent, ce que je comprends bien, parce qu'ils sont sur le PLF. Ça veut dire quoi? Que vous voulez nous les prendre en séance, mais pas ce soir? Et là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous dites par vous, on n'est pas mûr. Je vais vous préciser exactement ma pensée. On n'est pas sur cette population-là. Hein. Moi, clairement pas, aujourd'hui. Donc moi, je suis opposé à cette population-là, parce qu'on est en train d'ouvrir un certain nombre au départ, et il faut savoir en termes de constitutionnalité si ça tient. Donc on va faire cette étude-là et on va s'ouvrir peut-être à la séance sur un certain nombre de populations, mais on va voir si c'est toutes, parce que là on me parle de police municipale, de garde champêtre, de douaniers, de pénitentiaires, de pompiers. On va voir c'est si la fête. C'est toutes ces. C'est la fête, allez-y, ambulanciers, médecins, infirmières, oui. Ou celles qui sont identiques à l'article précédent, etc. etc. Donc ça nous laisse le temps de réfléchir. Et je vous propose la technique. Benji59, lui qui a déjà vu une vidéo d'un garde champêtre en intervention. Donc, monsieur Boucard, vous retirez les vôtres, madame Ménard. Oui, merci, Mr. Edger. Oui, merci, madame la présidente. À mon tour de demander une précision, parce que moi, je vois une logique à toutes les personnes que nous avons citées dans nos différents amendements. C'est toutes des personnes qui portent, que ce soit le douanier, le personnel pénitentiaire, le policier municipal ou le garde champêtre, ce sont toutes des personnes qui portent un uniforme et qui peuvent être donc, à ce titre, mis en danger de par l'uniforme qu'elles portent. Aujourd'hui, on le sait bien, toute personne, hein, quelle qu'elle soit, même un agent municipal qui n'a rien à voir avec un policier municipal ou un ASVP, même un agent municipal avec son gilet agent municipal, le facteur, avec le nom de la ville, peut être pris pour cible parce qu'il est considéré comme représentant une espèce de d'ordre. Et donc, je trouvais que c'était intéressant, justement. Et je ne vois pas très bien la différenciation que vous allez faire entre, je ne sais pas ce que vous avez en tête d'ailleurs, le douanier qui ne pourrait pas bénéficier de cette procédure d'image et le policier municipal qui, je l'espère, pourrait en bénéficier, en tout cas dans votre esprit. Voilà, donc je ne comprends pas très bien, parce qu'à mon sens, ils ont tous un réel besoin d'être protégés de par, encore une fois, cet uniforme qu'ils portent. Oui. Madame Ménard, dans l'attente de la réponse, je continue à faire le tour. Vous voulez qu'on fasse des amendements rigolos pour la séance? Des auteurs des amendements, donc il y a M. Miss. Faire des amendements, du coup, pour ajouter plein de gens à flouter, parce qu'on ne sait jamais, les préfets, les éboueurs, ouais, voilà. Les ministres, au cas où, si quelqu'un veut porter un traité psychique. Allez, on va faire ça, on va faire des amendements rigolos. Il est trop fan, mon collaborateur. Hein, Antoine, t'es là? T'es sur le chat? Est-ce que t'es là? Oui, il est là. Et hop, au boulot! Un peu plus près, effectivement, la situation des pompiers qui me semble importante à prendre en compte particulièrement. Donc, rendez-vous à la séance dans 15 jours. Je retire effectivement mon amendement. Merci, Florine 725. Avec Super 30. Ah non, ça, c'était 2000. Merci. Remercie. BSLG. Deux demandes de prise de parole. Madame Obono. Allez, Daniel. Je pense qu'en fait, ces amendements sont tout à fait logiques. Dans la mesure où ce que nous disions et ce sur quoi nous alertions, c'est qu'on ouvre une boîte de Pandore. À partir du moment où même le sens même de cette loi dite sur la sécurité globale, sur le continuum de sécurité, intègre de plus en plus en fait, d'intervenants et intervenantes, on pourrait même aller jusqu'aux agents et agentes de sécurité privée, puisque un article a prévu des peines plus lourdes pour des infractions à l'égard de ces individus. Et voilà quel est le problème de notre point de vue. Deuxièmement, par rapport à une remarque du rapporteur sur l'argument du floutage, c'est justement quand vous dites que
si le Rio reste identifiable, ce que ça induit, et doit pouvoir rester identifiable, ce que ça induit, c'est que, du coup, le reste de l'image va devoir être floutée pour qu'elle puisse être diffusée. Et c'est là où il y a un argument, je pense, qui est valable de ce point de vue. Et par ailleurs, moi, j'aimerais vous interpeller, et c'est aussi une des questionnements sur l'exercice même, alors pour le coup, pour les journalistes uniquement, mais ça pourrait être vrai pour des particuliers, sur l'exercice même, par exemple, en manifestation, si un policier, un agent se sent menacé légitimement alors qu'il est en train d'être filmé, et sur la base de sa propre appréciation, serait-il en position de pouvoir, par exemple, confisquer le matériel des personnes qui procèdent à cette captation, parce que je pense que ça fait partie, et je vous le dis parce que ça relaie aussi des inquiétudes, ça fait partie des risques induits pour notamment les journalistes. Et je crois que il y a eu beaucoup d'incidents avant même cette mesure-là de ce type-là qui ont été signalés par les journalistes. Et nous craignons, et beaucoup de journalistes craignent, que cette loi accélère et augmente ce type d'incidents. Je vous remercie, Monsieur Rudy Gauze. Bien, Daniel. Oui, encore une fois, cet article ne concernera pas les journalistes. Ils pourront toujours exercer leur droit de la presse, leur liberté de la presse. Et il est évident que les forces de l'ordre n'auront pas à intervenir et à vouloir saisir leur caméra, leur appareil photo ou leur smartphone. Pour les différents amendements, moi, je suis assez sensible à ce qu'ont dit certains collègues. Et je trouve que c'est bien ce que propose le rapporteur Fauvert, pour qu'on puisse avoir le temps d'y travailler tous ensemble. Je pense que sur un texte tout particulièrement concernant la police municipale, on est en cohérence d'ajouter justement les policiers municipaux, puisque une des parties les plus importantes de ce texte, c'est de donner de nouveaux droits, des nouveaux moyens d'action, des nouveaux champs d'intervention aux policiers municipaux. Donc il y aurait vraiment une logique que sur cet article 24, on puisse l'élargir à la police municipale. Après, j'entends les autres collègues qui veulent l'élargir à d'autres corps de métier qui interviennent aussi sur ces questions de sécurité. Il y a évidemment également une logique. Il faudra qu'on y travaille ensemble. J'ai juste une dernière petite question qui, depuis le début, qui me turlupine, parce que quand Madame Ménard nous parle régulièrement des gardes champêtres, mais où est-ce qu'il existe encore des gardes champêtres? J'imagine dans certaines petites communes, mais est-ce qu'ils sont si nombreux que ça? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui avait disparu. Bon, je retire quelque connard, chose que je connaissais dans Spirou et Fantasio, mais je pensais pas que ça existait encore. Sans déconner, le mépris. Les gardes champêtres. Alors, Madame Le Mouchi... mépris. Bah. Mais lui, on va le perdre dans une forêt. Il est sans gardes champêtres. Hein. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais revenir sur quatre points rapidement. D'abord, la rédaction de cet article exclut de facto les journalistes. De facto, on est sur une intention de nuire, une intention qui consiste à porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Évidemment, dans le travail objectif d'information, les journalistes ne peuvent pas être concernés. Deuxième chose, je vais répondre à Madame Obono. Un policier ne peut pas interpeller quelqu'un qui serait en train de le filmer, même s'il se sentait menacé. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, ça ne le sera pas plus demain avec cette disposition. Troisième chose, la seule diffusion, encore une fois, sur les réseaux sociaux de la vidéo ne caractérise pas le délit de l'article 24. Il faut un contexte pour pouvoir dire qu'on est dans une entrave. Donc la seule diffusion en elle-même ne constitue pas le délit. Enfin, la question, c'est celle de la praticabilité de la disposition, et c'est tous les débats que nous avons, et là-dessus, nous pourrons proposer des évolutions pour permettre effectivement que judiciairement, la sanction puisse arriver à terme, puisque la question, c'est bien celle de l'efficacité de l'article 24. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, puis madame la rapporteure, puis le vote. Oui, cher collègue, chère madame Ménard, c'est bien pour la main. Je vais essayer de réexpliquer ce que j'ai dit, mais je vais redire la même chose, c'est-à-dire qu'on va revoir ça en séance. Tout à l'heure, on a visé un certain nombre de personnes à l'article 23. Là, on est sur un autre article, et il faut qu'on arrive à voir si ça mouline sur cet article-là. Donc on a un certain nombre de vérifications à faire, et on vous donnera le top. Et la technique de l'amendement identique, je le répète à plusieurs reprises, donc moi je m'engage là-dessus et je le défendrai, la technique de l'amendement identique, ça s'adresse aussi aux non-inscrits, hein, Madame Ménard. Hein. Donc voilà. Par contre, j'ai vu un certain nombre de populations sur les gardes champêtres
que je connais bien et que et voilà, moi je prends mes distances avec ce qu'a dit notre ami. Non mais les gardes champêtres sont importants, ils sont importants les gardes champêtres. Je sais pas si on pourra les mettre dedans, mais on va voir, on va étudier tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus, et donc je réitère ce que j'ai dit, retrait ou avis défavorable, mais retrait pour qu'on mouline tout ça à la séance avec encore une fois, je le répète et je martèle, des amendements identiques. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Madame la rapporteure. Oui, je vous remercie, madame la présidente. Je voudrais répondre à madame Obono et rétablir la vérité sur le contenu du texte. Il ne s'agit en aucun cas de la prise d'image, c'est-à-dire le texte ne parle pas de filmer ou de ne plus filmer, de prendre des photos ou de ne plus prendre des photos. C'est la diffusion d'images. C'est tout à fait différent, madame Obono. Merci, je suis navrée, mais je vais passer au vote. Je pense que tout le monde a pu s'exprimer. Donc, il est retiré, madame Ménard. Donc, il reste plus que l'amendement du rapporteur que je vais mettre au voix. Il restera sur ceci. Vous ne le retirez pas, monsieur le rapporteur. Donc, le 416 qui est pour, qui est contre, l'amendement est adopté. Il y a un dernier amendement à cet article, l'amendement 128. Il est défendu, madame ou monsieur le rapporteur. Défavorable. Défavorable, je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Non, Daniel n'a pas pu mettre sur voix le dernier. L'article 24 dans son non, entier. Non, lève la main, Daniel. Qui est contre, non. L'article 24 est adopté. Je vais les détruire pour la séance. Article 25, amendement, plusieurs amendements de suppression de cet article. Allez, 25. J'en ai deux présentés, alors un par monsieur Balanant et un autre non, par madame. Non, parce que diffuser, quand vous faites un live Facebook en manif, vous êtes en train de diffuser. Donc bien sûr qu'on peut vous prendre votre téléphone, votre machin et vous saisir, vous placer en garde à vue sur la base de cet article, sur la simple appréciation du policier. Alors, mais en vrai, il dira, vous faites quoi, vous filmez, c'est du direct. On va vite se dépêcher de dire, ah non, non, c'est pas du direct. Hein. Hors service. Sans déconner, par, quoi. Les services de police, de gendarmerie, dans les pardon. Établissements. Expliquez quoi, Ricus, la CGT. Tu peux préciser ta question. Du gestionnaire ou du propriétaire, je voudrais tout de suite préciser, comme je l'avais fait lors de la discussion générale, que cet amendement fait débat, y compris au sein de mon groupe, ma voisine, amie. Ça rebug quoi, c'est insupportable. Le lever de main, j'ai pas saisi. Ah bah c'était les votes pour contre, allez hop, et adopter, rejeter, on avance. C'est les votes en fait, concrètement. Ouais, donc pour la diffusion, ouais, mais ce sera du posteriori, c'est à dire que pour les lives, vous êtes fichu pour les lives. À partir du moment où vous faites un live, que le policier se sent menacé dans son intégrité, juste psychique. Il peut utiliser tous les moyens de droit qu'il y a dans le code de procédure pénale pour faire cesser l'infraction. Donc saisie du matériel, contrôle d'identité, placement en garde à vue, et présentation à l'OPJ, et demande d'instruction au parquet sur les suites à donner. Mes collègues Isabelle Florenne n'est pas favorable à cet amendement, mais... Une courte majorité coup, était en faveur du dépôt de cet amendement, ce qui après l'article explique 24. Le fait que non, nous ayons 25, déposé là. Un amendement de groupe sur cette disposition. Alors, nous craignons, le modem veut supprimer l'article 25. De ceux qui craignent une banalisation du port d'armes aujourd'hui au profit alors, de la attendez, police nationale, instant. Demain au profit des policiers municipaux et des je reviens, de sécurité, bougez pas. Après-demain, à tout titulaire régulier d'un port d'armes. Ce que je voudrais dire, c'est que la législation actuelle est équilibrée. La règle est que le policier ou le gendarme, hors service, peut entrer dans l'établissement recevant du public avec son arme de service, sauf si le gérant des lieux lui en interdit l'accès. Alors je crois que nous devons maintenir le statu quo. Et j'ajouterai une observation, c'est que... À mon sens, à notre sens, la conservation et le port d'armes hors service font peser une responsabilité particulière sur le fonctionnaire de police en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et je ne crois pas que ce soit toujours protecteur de ces services. Et je crois qu'une telle responsabilité est difficilement conciliable avec le repos effectif du policier hors service. Je vous remercie.
Je vous remercie, Madame Obono. Merci. Nous souhaitons la suppression de cet article qui prévoit qu'un policier et un gendarme ou une policière et un gendarme puisse porter son arme hors des heures de service dans des conditions qui seraient définies par arrêté. Nous ne comprenons pas à quoi répond cette disposition, si ce n'est à l'idée que, en toutes circonstances, ces agents doivent pouvoir réagir en cas de danger imminent, en cas d'infraction constatée. Mais il nous semble que précisément, s'il y a un temps hors service et en service, c'est que, de fait, il y a des temps qui doivent être distincts. Et dans tous les cas, ce sont des agents de service public qui, de fait, en toutes circonstances, interviennent ou interviendront sans avoir besoin de cet article. Par contre, ce que ça induit, il nous semble, y compris, et cela a été dit, pour la propre sécurité des agents, parce que il y a voilà, des circonstances hors service dans la vie privée, et c'est bien normal, qui signifie qu'on n'est pas en état soi-même de pouvoir maîtriser ses armes, etc., et que... Tout cela risque, par extension, comme on l'a vu sur ce texte, de favoriser le port d'armes pour des agents du service public, puis pour ceux qui sont assermentés, puis pour ceux qui sont, comme les agents, dans des situations où ils doivent pouvoir intervenir. Et c'est une généralisation d'un port d'armes qui nous semble extrêmement problématique et encore une fois qui peut mettre en danger à la fois les citoyens et les personnes à proximité et puis les agents et agentes elles-mêmes. Je vous remercie. Monsieur Molac. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, plus on a des armes en circulation, plus on augmente le risque d'accident. Et oui. Il y a là quelque chose d'assez classique. Je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau non plus pour les agents. Alors évidemment, parce qu'on dit quelque part en dehors de leurs heures de service, ils seraient encore au travail, d'une part. Il me semble d'ailleurs que le fait qu'ils puissent utiliser leur arme de service en dehors du travail est quelque chose qui a été expérimenté récemment à la suite. Ouais, j'ai fait une petite pause parce que j'ai mon petit garçon qui est rentré de l'école. Je vais me faire un bisou. Voilà. Et je l'ai flouté, du coup. Enfin, je l'ai flouté. Contre les policiers eux-mêmes, c'est-à-dire dans le cadre de suicide. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau fait aux agents de la police. Je crains même le contraire, parce que le problème du revolver, c'est que ça va vite. Et on peut ne pas se rater. Donc, moi, je vous appelle à faire preuve de grande prudence vis-à-vis de cela, parce que je pense que c'est mettre quelque part en danger nos propres forces de service, de police, pardon. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements de suppression. Bien. Mes chers collègues, cet article est un article particulier et je vais essayer d'être le plus... de traiter ça avec le plus de pédagogie possible. Si c'est possible. D'abord, il faut que vous sachiez que depuis 2015 et les attentats, yes, les policiers et les gendarmes ont été autorisés à avoir leur arme hors service sous certaines conditions. Et la plupart des policiers ont leur arme en ce moment hors service sous certaines conditions. Policiers et gendarmes, ces conditions, elles sont fixées par les deux directions générales. Et c'est des conditions d'abord d'entraînement, les entraînements que les policiers et gendarmes doivent avoir régulièrement. C'est le fait d'avoir aussi sur eux, en plus de leur arme, les insignes qui les différencient de la population, c'est-à-dire leur carte de réquisition, on appelle carte de réquisition la carte professionnelle, et tant que ah non, faire se peut, un brassard. Brassard, et bien évidemment, qu'ils ne portent pas dans la rue. Soixantaine par leur propre arme. Si jamais il y a une intervention à faire.
Donc ça, c'est déjà une première chose. Ces policiers-là et ces gendarmes-là sont autorisés à être dans la rue, et vous croisez sans doute des policiers, des gendarmes en civil qui sont armés. Bon, c'est une expérience que j'ai vécue moi aussi. Ces policiers-là aujourd'hui ne peuvent pas effectivement rentrer dans un établissement recevant du public, c'est-à-dire une salle de spectacle, c'est-à-dire un terrain de un stade de foot, de rugby, etc., sans qu'il y ait l'autorisation de la personne qui s'occupe de la sécurité. On peut leur interdire l'entrée. Vous savez aussi que ils peuvent, par exemple, être interdits d'entrer dans un grand centre commercial par des vigiles qui vont s'opposer à leur entrée. Et voilà. Donc, on est dans, pour l'instant, on est dans cette configuration-là. Alors, pourquoi demander à ce que cette situation-là, qui est une situation qui existe depuis 2015... Merci, Emmerich 1795. Merci, Tature 77. Merci, Pagan 4. Je voudrais vous répondre, Monsieur Molac, chers collègues. Il y a dans le plan anti-suicide de la police et de la gendarmerie, il y avait la nécessité de laisser l'arme au râtelier quand le service était terminé. Sauf que les attentats sont passés par là, et une forte demande, policiers et gendarmes, et donc on en est arrivé à cette situation précise que je suis en train de vous décrire. Alors, on est, vous le savez, donc puisque je viens de vous le dire, en présence uniquement d'une population, policiers et gendarmes d'active, qui s'entraîne régulièrement. Donc on n'est pas sur l'ouverture à l'armement de toute une partie de population, comme certains peuvent l'avoir le craindre, de gardes privés armés, de police municipaux, c'est pas ça dont il s'agit, ou d'autres personnes, de la réserve gendarmerie par exemple, ou de la réserve police. Non, on est dans le cadre de policiers d'active et de gendarmes d'active qui sont hors service. Il faut que vous sachiez aussi que à partir du moment où le policier ou le gendarme intervient, et qu'il n'est pas en activité, mais qu'il intervient sur la voie publique face à un délit, il devient de facto il devient policier en service ou gendarme en service. Et à ce titre-là, il a la protection d'un policier ou d'un gendarme en service. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, ces garde-fous-là existent. Après vous avoir dit qui, je vais vous dire le comment. Comment c'est ce policier et ce gendarme ne sont pas aujourd'hui habilités à rentrer dans les établissements recevant du public, par exemple les théâtres, par exemple les stades, je vous l'ai dit. Je vous dis les stades parce que ça m'est arrivé à moi. Et la problématique, c'est que l'idée, c'est d'avoir ces gens qui sont entraînés pour pouvoir être présents en particulier. Et c'est quelque chose qui a manqué dans vos argumentaires. Je suis désolé de vous le dire, on n'a pas parlé des victimes des attentats. Pour faire cesser, dans la mesure du possible, un attentat majeur qui se passerait face à eux. Je vois de la tête, mais... Pardon ? Les policiers, les gendarmes sont 24 heures sur 24 en service, et si... Alors justement, on va prendre l'exemple du Bataclan, puisque vous m'en parlez. Au Bataclan, vous aviez à minima trois policiers. Un couple de commissaires de police, qui s'était connu à l'école des commissaires de police, et un autre policier. Un des commissaires de police, a été percuté par une balle Kalachnikov. Il est maintenant handicapé. Les deux autres policiers, le troisième, je ne sais pas ce qu'il est advenu, mais le deuxième, c'était sa femme, elle a été assez traumatisée. Si ces gens avaient eu leurs armes, ils seraient intervenus. Si ces gens avaient eu leurs armes, ils seraient intervenus et auraient... Et si Samuel Paty, il avait eu une arme, hein ? Alors, eh bien, armons tous les professeurs ! Et on y revient, armons tous les professeurs ! On ne sache pas que ce soit des policiers, ils auraient pu s'approcher. Et on peut espérer
qu'ils auraient au moins, bouleverser cette soirée qui nous a fait presque 100 morts. Et ils auraient pu, en intervenant, éviter que 10 personnes ne perdent la vie, 20, 30, 40, 50, 60 personnes ne perdent la vie, 70, 80, il y en a eu 95, je crois. Faire cesser ce massacre et éviter que 10 familles, 20, 30, 40, 50, 60 familles, et avec leur entourage immédiat et leur entourage plus loin, c'est-à-dire 3000, 4000 personnes ne sont endeuillées par cela. C'est uniquement ce type d'intervention-là que réclament depuis longtemps ces policiers et ces gendarmes. On est sur la base du volontariat. Celui qui ne veut pas prendre son arme hors service ne la prendra pas. Il n'est pas forcé. Mais celui qui la prend doit pouvoir donner à son administration les gages qu'il a suivi ses entraînements et qu'il est apte à intervenir quand il doit intervenir parce qu'un policier et parce qu'un gendarme, et c'est pas un vain mot, est au service de la nation 24 heures sur 24. Voilà ce que je voulais vous dire là, sans tomber dans l'émotion extrême. Sans tomber dans l'émotion extrême. La conservation des armes, la conservation des armes, elle est réglementée par la Direction générale de la Gendarmerie nationale, la Direction générale de la Police nationale, au service, hors service, au domicile. Il y a des règles particulières à suivre dans ce domaine-là. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On est en train de faire la loi aujourd'hui, j'ai entendu. On est en train de faire la loi aujourd'hui. Bah ouais. Pas trop si aujourd'hui on accepte ça, demain on va accepter telle ou telle personne armée, etc. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on a des policiers, des gendarmes armés sur la voie publique. Juste, on leur permet de rentrer dans les établissements recevant du public et on ne peut pas s'y opposer parce que c'est important d'intervenir. Vous rentrez en boîte de nuit avec leur arme à feu, les gens. Merci, monsieur le rapporteur. Avant, on laissait son arme à l'entrée du saloon. Hein. Plusieurs demandes de prise de parole. Donc, madame Obono, monsieur Diard, madame Wisniewski, madame Ménard. Donc, on commence par madame Obono. Oui, je pense que le problème dans cette argumentation, je ne remets pas en cause l'intention et l'objectif. Je pense que que c'est naturel et légitime que les agents veuillent être en situation de le faire. Mais d'abord, je pense que même si ce n'est pas obligatoire, de fait, ça va mettre une pression supplémentaire et l'agent qui ne le fera pas sera en fait dans une situation de contrainte et de pression psychologique auto-induite, je trouve, qui ne va pas du tout. Et par ailleurs, en fait, là, en fait, vous confirmez l'idée que de fait, il n'y a plus de différence entre le en service et hors service. Et là aussi, je pense que ça ne va pas, parce que même si on dit, et c'est déjà le cas, que ces agents sont dans certaines situations en position de pouvoir intervenir et doivent le faire, de fait, de par la loi, ils doivent intervenir, sinon c'est non-assistance, etc. Donc c'est déjà le cas, mais c'est encadré. Et là, en fait, le problème, c'est que ça généralise, et la logique même de votre texte vise à généraliser un certain nombre des prérogatives des agents à d'autres secteurs qui peuvent se retrouver dans des mêmes situations. On avait cette discussion-là sur les agents de sécurité qui pourraient se retrouver dans une situation d'attentat, etc., à devoir intervenir et serait légitime à demander à avoir les moyens de le faire à un certain moment. Et donc, je pense vraiment que là, on rentre dans une logique qui est interminable. Et par ailleurs, moi, ce que j'aimerais peut-être que d'ici la séance, on ait comme élément, c'est quelle est l'évaluation qui est faite des autorisations qui ont été données et des possibilités qui existent aujourd'hui, parce que c'est aussi sur la base de ça qu'on peut avoir un avis éclairé, de savoir est-ce que ça a permis à ces agents-là d'intervenir plus, est-ce qu'il y a une résolution des infractions, une prévention des infractions significatives qui est notée par le fait que les agents ont leur arme ou pas, parce que sinon en fait on légifère un peu sur une volonté légitime et un objectif, mais je pense que ce n'est pas suffisant étant donné les risques que cela implique et la logique aussi générale d'avoir une société où 24 heures sur 24, les agents sont
mis en situation de devoir ne jamais déconnecter et intervenir, et où ça augmente mécaniquement la circulation et la présence en public ou dans les lieux publics d'armes. Et moi, je pense que c'est problématique. Je vous remercie. Monsieur Diard. Oui, merci, Madame la Présidente. Brièvement, pour aller dans le sens du rapporteur, on pourrait se dire... qu'aurait pu-t-il faire au Bataclan avec leur arme de service face à des Kalachnikov? Mais il y a un exemple. Il y a, sur un dossier que M. Fauvert connaît mieux que moi, il y a ce fameux commissaire avec son chauffeur qui s'est rendu avec son arme de service dans le Bataclan et qui a battu Sami Amimour, donc qui n'était pas à l'étage, mais qui était en bas. Donc je souscris tout à fait ce que dit le rapporteur. C'est vrai que des policiers qui étaient dans le périmètre auraient pu, j'allais dire, atténuer le massacre. Je vous remercie, Madame Wisniewski. Oui, merci, Madame la Présidente. Cher Jean-Michel Fauvert, vous avez de l'expérience, j'en ai aussi. Bien dit. Pas exactement la même, mais s'agissant des textes qui ouvrent des portes qui ne sont ensuite pas fermées mais qui s'élargissent, je pourrais vous en donner des exemples en nombre pléthorique. Je savais bien évidemment que vous évoqueriez le Bataclan. Et comme vous, j'aurais souhaité que l'on puisse éviter le nombre de victimes. On ne peut pas réécrire l'histoire aujourd'hui et on ne sait pas ce qui se serait passé si les policiers qui étaient présents au sein du Bataclan auraient pu éviter et dans quelle proportion ce massacre. Ce que je veux simplement faire observer, c'est qu'on a une législation qui est assez équilibrée parce que aujourd'hui, et je l'ai dit, les policiers qui sont hors service et armés peuvent rentrer dans un ERP, sauf si le gestionnaire leur dit non. Si le gestionnaire de l'ERP, qui est soit le propriétaire des lieux, soit celui qui exploite les lieux, le fait, il a sans doute aussi des motifs pour le faire. Et enfin, ce que je voudrais faire observer, la pression, moi je suis vraiment sensible à cette pression que j'ai évoquée, qui a été développée par ma collègue Obono, cette pression non-stop sur le policier ou le gendarme, j'y suis sensible. Et dernière considération, nous ne voulons pas que le Bataclan soit notre quotidien, évidemment. Et nous légiférons pour le quotidien. On a toujours dit qu'on ne voulait pas faire des lois d'exception. Parfait. Qui répondent à un Parfait. Événement d'exception. On a une législation antiterroriste qui est déjà très dérogatoire, très protectrice, et heureusement. Mais je veux dire que là, nous légiférons aussi pour notre quotidien. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Ménard. Oui, merci, Madame la Présidente. J'irai, moi également, dans le sens du rapporteur. Et je suis bien consciente que nous ne voulons pas d'une législation d'exception, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, le risque terroriste, il est présent partout. Et je pense qu'on peut faire évoluer notre législation pour prendre en compte cette évolution des situations du quotidien. Vous avez cité, c'est Laurence Wisniewski du MoDem, et voilà, le MoDem fait le job. Du Bataclan. MoDem, moi, France Insoumise. Moi, j'ai en souvenir l'attentat de Trèbes, où PLS pour les autres. Un policier ou un gendarme à la retraite était présent sur les lieux et il a témoigné en disant que s'il avait eu son arme, il avait le terroriste dans sa ligne de mire et rien de ce qui s'est passé ne serait arrivé. Donc, moi, j'aurai un amendement un peu plus tard, justement, pour élargir encore le dispositif. C'est pas au sujet des policiers ou des gendarmes à la retraite, mais pourquoi pas, je m'empêcherai pas de le déposer en séance. Pas une ombre, c'est une blonde dans le fichier. Et puis je voudrais ajouter encore une chose, parce on va couper un peu le son de Ménard. C'est une bière ombrée, c'est une Trois-Monts, ils ont fait une gamme spéciale. Trois-Monts, c'est bière du Nord, hein, des Flandres. Héritage, avec une levure spéciale, avec une levure unique qu'ils ont travaillé, puisque la levure, c'est un ingrédient très important pour donner du goût à la bière. Voilà, et avec 4 maltes, orge avoine, épeautre et blé. Les céréalières est bien goûtue, une deuxième bouche qui est intéressante. Quelqu'un, il va pas dire je suis pas en service, je soigne pas. Un policier, quand il est confronté à une situation où son intervention pourrait changer le cours de la situation... Si un médecin, il soigne pas. Ouais, mais si le chirurgien, il doit opérer, qu'il a pas de bistouri. Je regarde, c'est pas possible. Il fait comment? Il ouvre comme ça? Ce sont des missions. Sans anesthésie, tout quoi. Ce sont des missions.
Et moi, balade-toi avec ta mallette avec tes bistouri tout le temps, mon gars. Que je connais, qu'ils soient des policiers nationaux ou des policiers municipaux, je n'ai jamais douté un seul instant de leur investissement et de leur engagement 24 heures sur 24. Merci. Même si parfois c'est un peu lourd à porter, mais en tout cas, ils y sont tous à 100%. Je vous remercie. Donc, je vais prendre encore deux intervenants, Mme Paul-Angevin, M. Reberotte, et on avance. Je pense que la difficulté qu'on a sur un texte de cette nature, c'est que c'est une proposition de loi. Donc, on est amené à travailler sans avoir d'étude d'impact, sans avoir d'avis du Conseil d'État. Or là, on introduit quand même un changement qui me semble assez significatif dans l'état de notre droit. Moi, après le Bataclan, j'ai entendu des autorités assez haut placées disant qu'il était important qu'il y ait une unité de commandement face à ce genre de choses et qui ne tenait pas à ce que n'importe qui fasse n'importe quoi dans un moment aussi, aussi délicat. Donc je pense que si on dit aux agents, aux policiers de base, vous avez votre arme sur vous et quand il se passe quelque chose devant vous, vous devez intervenir. Le policier de base, il n'est pas agent, c'est pas un super héros capable de lutter contre le terrorisme. Et par conséquent, je crois que d'une part, ça peut faire une évolution un peu délicate ou difficile pour nos libertés publiques. Ça peut faire peser une responsabilité disproportionnée sur l'agent de base. Et je trouve que c'est difficile d'aller dans ce sens sans avoir un avis éclairé du Conseil d'État ou une étude d'impact. Un avis, mais t'es contre ou t'es pour ? Ah, on ne sait pas, c'est insupportable. Simplement que l'on sanctuarise absolument les bureaux de vote, par contre. Ça, c'est un impératif, alors absolument, absolument majeur. Voilà, c'est simplement ce que je voulais rappeler. On ne travaille pas H24 tout le temps, nuit et jour. Mais quand ils sont présents sur la voie publique hors service, et en plus avec leur arme et tout leur attirail, ils peuvent se permettre d'intervenir si jamais il y a quelque chose qui se passe. C'est un métier de vocation, c'est un métier H24, ça existe. Il y en a quelques-uns, on a cité les médecins, il y en a d'autres, il y a sans doute députés, mais la vocation, elle est là, et les gens qui rentrent dans la police et la gendarmerie, c'est pour ça que il faut les protéger et il faut arrêter de les attaquer, c'est un métier de vocation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je veux dire... D'accord. Ok. D'accord. Donc, métier de vocation. Et ça rebug. La vocation. Les députés, c'est pas un métier. Oui, on est d'accord. Voilà. On ne peut pas les comparer à des agents de sécurité non plus. C'est des policiers, c'est des gendarmes. Ils sont là. Les agents de sécurité ne travaillent pas à H24. Ils n'ont pas les mêmes attirails, les mêmes moyens, etc. Et notre loi ne donne pas les mêmes moyens aux agents de sécurité et aux policiers. On ne peut pas. Il faut arrêter cette comparaison-là. Ça n'existe nulle part ailleurs. Il y a d'autres métiers de vocation, mais ces métiers-là, c'est des métiers très spécifiques. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que je vous ai parlé, j'ai essayé d'être le plus neutre possible, je vous ai parlé du Bataclan, je m'en excuse, mais il fallait que je vous le dise. Parce que j'ai pas d'argument. Et je vous ai parlé de 10, 20, 30, 40 personnes qui auraient peut-être, je sais pas, mais qui auraient peut-être été sauvées. Et en face de ça, on parle d'avis du Conseil d'État, d'études d'impact, de responsabilité disproportionnée. On n'est pas, ça sert pas à ça, ça. On n'est pas là-dessus. Oh là là ! On est sur le mépris, du sauvetage de vie. Ah ! Voilà, c'est tout. On est sur l'exception. On est sur l'exception, je vous assure. Merci. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Donc, je vais mettre aux voix ces amendements de suppression. Les trois qui ont reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre, ils ne sont pas adoptés. Le suivant est un amendement rédactionnel du rapporteur, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Bon, je me suis procuré le numéro de Laurence Pisseski, je ne l'avais pas. Je lui ai envoyé un petit message. Oui, merci Madame la Présidente. J'irai vite parce que je l'ai déjà en partie défendu tout à l'heure. C'est un amendement qui vise à autoriser le port d'armes hors service également pour les policiers. Des fois, j'envoie un message à ce type pour lui dire « Mais tu crois vraiment à ce que tu racontes ?» Sans déconner. Je l'avais déjà fait, en plus, c'est pas une blague. Bon, voilà. Autre type de message. La proposition ne recueillait pas l'aval du rapporteur.
pourriez-vous proposer une expérimentation, pour le moins, pour les moniteurs en maniement des armes des policiers municipaux, puisqu'ils ne sont pas très nombreux, ils sont quelques centaines, et eux, ils ont évidemment cette expérience et cet entraînement à l'arme qui fait qu'on peut leur confier une arme, même hors service. C'est une mesure qu'ils réclament depuis fort longtemps. Donc moi, je la demande pour l'ensemble des policiers municipaux qui sont armés et qui, évidemment, comme toujours, remplissent un certain nombre de conditions. Mais ça coule de source. Si mon collègue Rudy Gauz était là, je lui dirais que je pourrais le demander aussi pour les gardes champêtres qui ont le droit de porter une arme. Voilà. Mais en tout cas, je voulais avoir votre avis sur le fait, j'imagine que vous n'y serez pas favorable, mais sur le fait éventuellement, si vous n'êtes pas favorable au port d'armes hors service pour les policiers municipaux, d'éventuellement envisager une expérimentation pour les moniteurs en maniement des armes. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Ménard, Monsieur le rapporteur. Alors je suis désolé, mes chers collègues, chère Madame Ménard, je n'y suis pas favorable ni pour l'un ni pour l'autre. Les policiers municipaux, même les douaniers d'ailleurs, ne sont pas autorisés à porter leurs armes hors service. Je suis pas favorable à changer ça et donc à entrer dans les ERP armés de plus, ni pour les moniteurs, en tout cas quant à présent. Je vous remercie, Madame Ménard. Oui, juste. Je pense qu'il y a une grosse incompréhension de la part des policiers municipaux qui ne comprennent pas pourquoi, alors qu'ils portent un uniforme comme les autres et qui sont une cible potentielle comme les autres, on leur refuse en fait ce droit à porter une arme hors service, alors que bien souvent, et pardonnez-moi de le dire, je n'en fais pas une généralité, mais il arrive bien souvent dans certaines communes que les policiers municipaux aient plus d'heures de tir à leur actif que les policiers nationaux. Je vous remercie. Donc je le mets aux voix. Il a reçu un avis défavorable du rapporteur. Non, qui est pour. Clair. Je pense à des qui droits. Est contre. Il n'est pas adopté. Le suivant, Monsieur Boucard, Monsieur défendu, Monsieur le rapporteur. Demande de retrait défavorable. Donc je le mets aux voix. Avis défavorable. Qui est pour. Qui est contre. Il n'est pas adopté. Le suivant est un amendement rédactionnel du rapporteur. Qui est pour. Qui est contre, il est adopté. Ouais. Et enfin, monsieur Pouget. On aura peut-être fini avant 20h. 41 amendements. Demande de retrait ou défavorable. Désolé. Donc, je le mets aux voix. Il reçoit un avis défavorable du rapporteur qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 25 dans son ensemble. Qui est pour, qui est contre. Voilà, le 25 est torché. Est on passe au 26. Il reste quelques alors, amendements. Il est content. Alors le 26, on sait que c'est important. Nous en arrivons à l'examen de l'article 26. Article 26, donc Madame Paul-Angevin pour la présentation de l'amendement 212. Défendu. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Donc je le mets aux voix. Il vient de recevoir un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le suivant va nous être présenté par Madame Kéder, rapporteure pour avis au nom de la Commission de la Défense. Madame Kéder. Merci Madame la Présidente, chers collègues. De la même manière que sur l'article 22, la Commission de la Défense nationale et des Forces armées a rendu un avis favorable à l'article 26, considérant qu'il apporte la clarification d'écriture nécessaire quant aux conditions d'usage des armes. Alors, là, c'est les militaires de Sentinelle, c'est pour qu'ils puissent utiliser leurs armes dans le même cadre que les policiers et les gendarmes. Avec un HKG-30. Les normes de ces moyens étant définies par un arrêté du ministre des Armées. Prévoir deux arrêtés, dont l'un avec l'intervention du ministre de l'Intérieur pour définir des normes techniques afin qu'une même unité puisse remplir la même mission avec les mêmes moyens dans deux contextes ne sont que légèrement différents, ne m'apparaît pas de bonne organisation. Plus largement, il nous semble important de souligner que le principe de nécessaire libre disposition de la force armée doit plaider pour que le choix capacitaire fait pour équiper les armées, même lorsqu'ils sont très modestes, reste à la main de la ministre des Armées, chargée notamment de la préparation et des conditions d'emploi des forces armées, selon l'article L. 1142-1 du Code de la Défense. La Commission de la Défense nationale et des Forces armées propose cet amendement permettant de revenir à un seul arrêté de la ministre des Armées, comme cela est prévu du reste. Bon, j'en profite pour dire merci à tous ceux qui ont aimé la chaîne. Il y avait BSLG, Tature77, Emmerich Mété 295, Briut. Après Briut, nous avons La Pioche,
Emelikou, Alou Vilvaren, Piotrama, Tagazin, Prépaltoc, Zakaria, je pense écrit avec des 4, ouais, c'est ça, Zakaria, Azun00, PRCVLGLNSS, c'est quelqu'un qui a retiré les voyelles, il faudrait retrouver ce que ça veut dire, peut-être nom et prénom, Torgix, Yeuz, DJ Chris qui nous héberge, c'est cool, c'est sympa, DaziriX, Deepnust, merci à tous de suivre ma chaîne. Allez. Je vous... Il y a les deux en circulation, il y a le HK A416, j'avais G36, c'est peut-être un autre HK, ouais, c'est peut-être un autre HK, mais il reste encore des FAMAS en circulation, évidemment, on ne va pas les jeter. Contre, il n'est pas adopté. Donc il n'est pas adopté l'amendement. Je vais mettre au voie l'article la 26 défense. Dans son ensemble. C'est ça, c'est pour... l'amendement de la commission de défense a été rejeté. Qui est contre. Voté par la majorité de la commission de défense. L'article 26 est adopté. Article additionnel après l'article 26. Madame Ménard, vous présentez l'amendement de Madame Laureau. Je profite de l'amendement de Madame Ménard pour vous dire en fait. Monsieur le rapporteur ou Madame la rapporteure. Hop, le 27 qui viendra après. C'est sur les adjoints de sécurité. Ils veulent changer le nom pour les appeler policiers adjoints. Nouvelle dénomination. C'est une confusion. Les agents de sécurité, je vous rappelle, ce sont des contractuels de la police nationale. C'était les emplois jeunes, c'est Jospin qui avait mis ça en place. C'était pour faire en sorte qu'il y ait des jeunes, notamment des quartiers, qui puissent rentrer facilement dans la police. Donc sous la forme de contractuels pour passer les concours de gardien de la paix et ensuite devenir gardien de la paix titulaire, quoi. C'est un sas, quoi. Et donc voilà, ce sont des contractuels de la police nationale. Ils ont des une crosse d'armes. Bleu, vous ferez attention si vous croisez dans la rue, et des épaulettes bleues, beaucoup plus claires que le bleu police classique. Et ils ont torché le 27 pendant qu'on parlait là. Il n'est pas adopté. Bon. L'amendement présenté par monsieur Gérard, le 105, quelqu'un le défend? Défendu, madame la rapporteure. On est où là? C'est un avis favorable. On est après l'article 27. Donc le 105. Article 28 à venir. Oui, permet au service. Oui. Je mets au voile. L'amendement 105. Permet aux services de sécurité de la SNCF d'agir auprès des entreprises présentes dans les gares et dans les véhicules de transport routier exploités en complément des véhicules de transport ferroviaire. Par procès verbal, les contraventions qui sont mentionnées au livre 6 du code pénal. Tempête, madame Ménard. Ouais, alors l'article 22 du code de procédure pénale affiche bien la bonne référence. En revanche, l'autre moitié me semble pertinente puisque l'article 44-1 du code de procédure pénale que j'ai consulté affiche bien la référence obsolète. Je suis donc favorable à cette moitié et je propose qu'on rectifie d'ici la séance parce que la rédaction de l'amendement ne me convenait pas tout à fait, mais sur le fond je suis d'accord. Donc je vous propose de l'adopter et puis de rectifier la rédaction d'ici la séance et je voudrais profiter de cet amendement pour rendre hommage aux gardes champêtres. Je sais quelle importance ils ont partout sur... Ouais, Faolin 75... Ouais, enfin bah, oui, du coup c'est la suite logique en fait, hein, quand vous suivez le... Ce qu'il fallait le faire au départ, non, enfin, bref, non, c'est peu importe. Allez. Oui, mais ravie de cet amendement, puisque de toute façon, mon amendement 96 allait exactement dans le même sens. J'en ai deux autres après, mais je ne sais pas si c'est mon tour de les défendre. Mais voilà. Je crois pas, Pauline 75. Juste l'expression d'une joie non dissimulée. On n'amende pas Counter-Strike. Monsieur Rebrot. Hommage aussi aux gardes champêtres et dire à notre collègue Thomas Rudigoz, qui est élu de Lyon, qu'avec la nouvelle municipalité, il saura bientôt ce que sont les gardes champêtres, puisqu'avec plus d'un million d'arbres plantés, il faudra bien qu'il y ait quelques gardes champêtres. Je vous remercie. Donc, je mets au voie l'amendement numéro 105 qui vient de recevoir un avis favorable de la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Donc, Madame Ménard, le 96. Mais je vais défendre les trois en même temps, si vous voulez bien. Le 96 est évidemment déjà défendu, puisqu'il rejoint le 105 de Monsieur Gérard. Juste une précision, parce que j'ai l'impression que tout le monde ne connaît pas bien les gardes champêtres. Les gardes champêtres, ils ne sont pas que dans le milieu rural, ils sont aussi dans le milieu urbain, et ils ne s'occupent pas que des arbres. C'est, voilà, ils ont un domaine de compétences qui est même plus large que celui de la police municipale. Ils ont 150 domaines de
de compétences, et notamment, ils sont extrêmement importants pour tout ce qui touche le droit de l'environnement, parce que c'est eux qui sont les premiers à pouvoir ça me trouve le cul, mais elle a raison. Informer, prévenir et verbaliser quand il faut sur le droit de l'environnement. Alors, pour en revenir à mes deux amendements restants, le 98 et le 101, le 98, c'est un amendement qui vise à insérer les gardes champêtres à l'article L235-2 du Code de la route. Il s'agit là de corriger un oubli, car la conduite, après avoir fait usage de substances classées comme stupéfiants, est aussi un fléau en milieu rural. Alors, je viens de dire que ça ne concernait pas que le milieu rural, mais les gardes champêtres sont évidemment aussi en milieu rural. Donc c'est l'amendement 98. Et l'amendement 101 vise à permettre aux gardes champêtres de procéder au placement d'un véhicule en fourrière. En effet, actuellement, cette opération ne peut être prescrite que par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ses fonctions territorialement compétent. Or, il est fréquent, même plus que fréquent, que des communes rurales où parfois seuls exercent des gardes champêtres soient confrontés à des stationnements abusifs de véhicules sur la voie publique. Et je rappelle d'ailleurs qu'un véhicule peut être mis en fourrière lorsque son stationnement est considéré comme gênant, abusif ou dangereux, autant d'infractions pour lesquelles les gardes champêtres sont compétents. Allez, je vous mets là les attributions des gardes champêtres. Cette fameuse mise en fourrière. Voilà, donc c'est un article qui corrige une anomalie. Quoi, c'est ma connexion ? Non, elle est bien, ma connexion, là, elle est stable. Je vous remercie, madame la rapporteure. Non, ça a sauté une fois tout à l'heure, on se calme. Oui, je vous remercie, madame la présidente. Moi, je crois en effet que la profession de garde champêtre n'a pas du tout vocation à disparaître, c'est au contraire. Au contraire, c'est notre police de l'environnement. Si, le garde champêtre, il a la qualité d'OPJ pour les délits qui concernent les infractions au code de l'environnement. Voilà, je vous laisse aller voir. Je vous ai mis un petit lien. Qu'ils font. Et vous dire aussi que dans notre rapport, nous avions fait. Non, mais j'habite à Lille, il n'y a pas la fibre dans ma rue. Ça fait 2 ans qu'il me dit ça arrive dans 6 mois. Bon, allez, j'arrête de rager. Position relevée du domaine réglementaire et donc pas du domaine de la loi, et qu'il ne s'agit donc pas d'un oubli, mais que. Armement de la police toujours contre, mais elle a cédé sur les caméras de vidéosurveillance. Alors, sur votre amendement, donc le CL 96, vous l'avez dit, il est satisfait. Merci, Dipneuse. Sur le CL 101. Merci, Samodène. Merci, Aizé. Le CL 101, avec, donc, Cœur, pardon. Qui a pour objet et merci, non de permettre le placement d'un véhicule en fourrière par un garde champêtre. Moi, j'y suis favorable sur le fond, mais j'ai un problème de rédaction sur votre amendement, puisqu'il fait agir le garde champêtre d'initiative sans en référer au chef de la police municipale ou au maire. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'ici la séance, de lever cette ambiguïté pour la séance publique, en précisant cette supervision de l'officier ou de l'agent de police judiciaire. Forcer quoi, Flo 13-271 accueilli. En vrai, vous savez, pour vous dire la vérité, le responsable régional d'Orange, je le connais, puisqu'il est passionné aussi de rugby et de rugby féminin. Il entraîne le club de rugby féminin sur ma circonscription, qui joue en national et qui a été champion de France il y a 2 ans, si pas de conneries, à Villeneuve-d'Ascq. Et il m'a dit, parce que je lui dis ça pour lui dire, vous déconnez quand même. Et il me dit, non, mais tu veux que je passe des coups de fil, machin, je peux t'arranger ça et tout. Je dis, non. Non, faites rien. Voilà, je vais être comme mon voisin. Pareil, voilà. Pas de traitement de faveur. Alors, ça, je m'en veux maintenant de lui avoir dit ça, hein, finalement. Tu vois, mais bon, c'est la vie, quoi. Pas de corruption, pas de privilèges. On ne peut pas recevoir un avis favorable parce que, contrairement à la consommation d'alcool, qui est bien une contravention et que les gardes champêtres peuvent constater, la consommation de stupéfiants au volant constitue un délit qui est puni de 2 ans d'emprisonnement. Il n'est donc pas envisageable, en l'état de notre droit et des compétences de chacun, d'en permettre la verbalisation par les gardes champêtres. Ce sera donc un avis défavorable sur ce CL 98. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Donc, pour le 96, satisfait, donc j'imagine que vous le retirez. Le 98, donc un avis défavorable, je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Et le 101, pour lequel le rapporteur vous propose de le retravailler pour la séance. Je le retire et je le retravaillerai pour la séance. Alors, ça marche, donc le 101 est retiré. On en est où ? Il reste 32 amendements, les gens. Nous avons l'examen de l'article 28. Ça va accélérer, ils vont finir. Avec un premier amendement du gouvernement. Au pire, ils vont prolonger jusqu'à 20h30. Qui apporte une précision.
Article 28, 394. Donc, oui, c'est je sur la SNCF. Le gouvernement le défendre en séance. Bon, il apporte une précision par rapport. Donc, c'est permis au service de la SNCF d'agir auprès des entreprises présentes dans les gares et dans les véhicules de transport routier exploités en complément des véhicules. En fait, ils font police dans tout le secteur de la guerre et de la guerre, de la gare. Effectivement, l'objet de l'amendement, c'est la réduction de la compétence des agents de sécurité de la SNCF. Et cet amendement, il autorise une intervention des agents de sécurité de la SNCF sur les lignes de bus TER, c'est-à-dire sur les bus de substitution. J'y suis favorable. Ce sont des agents de sécurité ferroviaire qui exerceront sur des lignes routières, ce qui est une entorse au principe de spécialité modale, mais c'est d'une grande cohérence. Donc, c'est un avis favorable, si nous pouvons le voter. Je vous propose de le voter. Je vous remercie. Donc, je le mets aux voix avec un avis favorable du rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 28 qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Article additionnel après l'article 28. Monsieur Diard, donc, pour l'amendement 23. Il y a un additionnel, mais donc le suivant, le 29, c'est simplifie dans le domaine routier les modalités de contrôle d'alcoolémie au volant par les policiers. Ça, c'est le petit résumé. Et que dit la loi concrètement ? Trop de trucs d'ouvert à faire un machin. Je pense notamment à certaines fonctions régaliennes, police, gendarmerie, etc. C'est sur le fait que ce soit plus vraiment des OPJ qui fassent le contrôle. Qui a été demandé aussi bien par moi-même, M. Pouya, M. Boudier, que l'on puisse étendre. Oui, c'est que les. C'est pour que ceux qui ne sont pas OPJ, qui sont juste APJ, puissent constater l'alcoolémie sur les instructions d'un OPJ. Service du ministère qui effectue les enquêtes administratives, et donc je préfère vous donner un avis défavorable et laisser le gouvernement vous répondre sur ce point lors de la séance. Je vous remercie, Madame la rapporteure, Monsieur Diard. Je le maintiens même jusqu'à la séance. Merci, Chris 5 Pise. C'est un avis défavorable de la rapporteure qui est pour. Mais il faut dire Chris Pise en fait, le 5 c'est un S. Chris Pise, vous allez comprendre. Après 3 jours, tu sais. Qui est défendu, Madame la rapporteure. Eh ben, c'était un avis favorable sur l'amendement de Madame Luquet Madame Luquet, c'est difficile de défendre les amendements qui n'ont pas été des collègues qui ne sont pas là. Donc Madame Luquet proposait par expérimentation qu'il soit possible de collecter des enregistrements vidéo à l'extérieur des matériels roulants. Et donc moi je considère que cet amendement va dans une perspective de sûreté technique plutôt que de sécurité au sens de l'ordre public. Mais qu'on est aux marges de notre compétence, mais que si l'amendement convient au gouvernement, et puis plus particulièrement au ministère des Transports et aux parlementaires de la commission des lois aujourd'hui, moi je ne vois aucune raison de m'y opposer. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Donc je mets aux voix cet amendement qui reçoit un avis favorable de la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Un amendement présenté par le gouvernement, le numéro 395. Oui, alors cet amendement, il vise la transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs. C'est un avis favorable sur cet amendement, puisque on voit bien tout l'intérêt d'une mise à disposition permanente, et non seulement dans un nombre très limité de circonstances, des flux vidéo qui sont captés dans les installations de la SNCF et d'autres entreprises de transport public. Et cette évolution, j'en suis convaincue, permettra une plus grande réactivité, une meilleure coopération entre les exploitants et puis les forces de sécurité intérieure. Donc, c'est un avis favorable. Ah, mais la fibre. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Donc, je me vois cet amendement du gouvernement qui reçoit un avis favorable de la rapporteure qui est pour. En fait, j'ai un Huawei portatif, là, j'ai un petit boîtier, qui fait cette taille-là, en fait. J'ai pas un truc avec des maxi antennes et tout, mais c'est pas bête. Faudrait que je mette ça, c'est clair. Ça me réglerait une partie de l'équation. Hein. Je pourrais peut-être même, du coup, faire des lives, pas forcément au deuxième étage, mais dans la cuisine, quoi. Sans que ça bug tout le temps, etc. Moi, je vais regarder. Ah, ok, bah, je vais regarder. C'est pas con. Dont elle est lue.
Merci. Rémi Delatte qui a déposé cet amendement et propose à travers lui d'installer un réel continuum de sécurité en permettant aux forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie nationale, la police nationale et les polices municipales, de disposer du flux vidéo, des équipements de vidéoprotection qui sont situés sur les emprises des gares ferroviaires pour permettre de remédier à cela et que nos forces de sécurité puissent intervenir de manière plus rapide et plus efficace dans ces lieux de fixation de la délinquance. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Vous avez compris. Police municipale qui puisse accéder aux caméras de vidéosurveillance des gares. Vous aurez peut-être des petites améliorations de rédaction d'ici la séance. Voilà, c'est ça, en fait. C'est uniquement les collègues qui sont absents hein, qui ont droit à un avis favorable. Au revoir, monsieur. Attends, moi, je suis à 2600 km/s. Donc, je vais mettre au voix. Comment tu vas me vider la salle? C'est vrai qu'il y a eu des incidents. Donc, je vais mettre au voix cet amendement numéro 55 qui vient de recevoir un avis favorable, qui est pour, et puis il revient nickel. Qui est contre. Il est adopté. Nous avons ensuite des amendements pouvant être soumis à discussion commune. Not donc, l'amendement de M. Diard. Mais comme M. Gosselin qui est absent, je tiens à le dire quand même. À la rapporteure, il n'est pas là. C'est pour ça, on ne sait jamais. Voilà, donc, pour peut-être une demi-favorable. Donc, cet amendement vise à clarifier les possibilités qui sont laissées aux opérateurs de transport pour justement l'exercice des missions de sécurité. En effet, il s'agit ici de leur permettre de pouvoir avoir le choix de faire appel soit à leur service interne de sûreté lorsqu'ils existent, ou encore, ce que l'on propose, de faire appel à une entreprise de sécurité privée. On rappelle un petit peu que c'est toujours la loi Savary, la loi du 22 mars 2016 a permis aux opérateurs de se doter d'un service interne de sécurité. Cependant, à la lumière des expériences qui ont été menées par beaucoup d'opérateurs, la prestation de certaines sociétés privées, avec évidemment une présence visible et dissuasive d'agents de sûreté qui sont agréés par le GAMS, NAPS, permettrait pour des missions de sécurisation, j'allais dire, dynamique, notamment dans les réseaux de surface, de s'avérer, j'allais dire, utile et adapté. Je vous remercie. Et donc l'autre qui était présenté par M. Gosselin tout seul. M. Gosselin n'est pas là. D'accord, donc... Je me permets de préciser que compte tenu du contexte sanitaire actuel, je crois que c'est normal de pouvoir défendre aussi... Nationalisation des opérateurs des collègues qui ne peuvent pas être présents et en commission et à la... Autour du Minitel, le Minitel avait une bande passante de ouf. Taux de latence extrêmement faible. Allez, ça rebug. Alors là, c'est plus ma connexion qui bug, c'est la connexion de l'Assemblée. Oh là 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 là. C'est insupportable. C'est insupportable. Mais je sais que Jean Massier, à chaque fois, il pète des câbles quand il fait des lives de line. Il pète des câbles. C'est insupportable. Plus que 25 amendements. Bon. Je vais faire post-play, peut-être. Du ministère. Tout direct, ça fait quoi? Oh, c'est relou. Je vais recharger la page. Allez, je recharge la page. 97. Oui, cet amendement, il vise à pérenniser les caméras piétons à la SNCF et à la RATP. C'est évidemment un avis favorable. Je rappelle qu'une expérimentation a été menée et elle fait apparaître une très bonne acceptation de la mesure par les personnels comme par les usagers. Et les caméras piétons, moi, c'est vraiment un dispositif auquel je tiens parce que ça permet de pacifier les échanges. Donc c'est un avis favorable. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Donc je mets aux voix cet amendement qui revient de recevoir un avis favorable de la rapporteure qui est pour... qui est contre, il est adopté. Nous en venons à l'article 29, un amendement rédactionnel de la rapporteure qui est pour, contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 29 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Article additionnel après l'article 29, c'est un amendement que je présente et qui vise à sécuriser les missions des gardes particuliers assermentés sur les domaines privés dont ils ont la charge. Madame la rapporteure. C'est évidemment un avis très favorable à l'excellent amendement.
On arrive à l'article 30 sur les feux d'artifice. Alors, les feux d'artifice pénalisent la vente ou la possession de feux d'artifice dans des conditions non réglementaires. Ce qui est déjà le cas, et puis ça vient rajouter des amendes à des amendes, des machins. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Ils nous emmerdent. Présenté par le gouvernement, Madame la rapporteure. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Oui, alors, cet amendement, il vise, c'est l'amendement, vous savez, des tirs aux mortiers. Et c'est donc, il répond à un engagement de notre excellent ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lorsqu'il s'est rendu à Champagny, suite à l'attaque du commissariat. Et cet amendement, il crée une traçabilité des ventes de mortiers. C'est insupportable. C'est insupportable. Insupportable, c'est insupportable, c'est insupportable. Ah. Je vais mettre aux voix l'amendement du gouvernement qui vient de recevoir un avis favorable des rapporteurs, qui est pour, qui est contre. VLC. Ouais, comment je fais avec VLC là? Nous en venons à je l'article plus, faut que je fasse 30, un vieux clic droit, avec des amendements pouvant être soumis à discussion commune. Donc le premier d'entre eux est présenté par M. Diard. Oui, merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Et là, je peux directement il s'agit ici de dissocier le fait de vendre des dispositifs pyrotechniques à des personnes qui ne correspondent pas aux conditions VLC, prévues, et de celui simplement qu'il en acquiert. C'est-à-dire, je distingue l'acheteur et le vendeur, mais quand je dis je distingue l'acheteur et le vendeur, pas l'acheteur qui va s'en servir contre les policiers. Je donne un exemple, l'acheteur qui voudrait faire, par exemple, un feu d'artifice, j'allais dire, dans son jardin ou dans sa propriété. En effet, les opérateurs économiques sont des professionnels. Ils doivent peser sur eux une responsabilité particulière, sur ces personnes à qui vendent des dispositifs pyrotechniques, qui les responsabilités ne peuvent pas être la même que celles qui souhaitent les acquérir sans remplir les conditions requises. Donc je voudrais quand même... Non mais là, il faut que je joue VLC, que je copie bien dedans et que j'incorpore VLC dans le truc, parce que je ne peux pas mettre en source directe. Je ne peux pas mettre en source directe sur Streamlabs. S'il y a quelqu'un qui sait, si je peux le mettre en source directe sur Streamlabs, et merci Kekech de suivre la chaîne. D'Éric Ciotti, ouais, qui c'est ça, c'est la même chose que vous, défendu. Donc, monsieur le rapporteur. Oui, on pourrait comprendre la pénalisation plus forte du commerçant si le produit vendu était néfaste par nature à l'ensemble de la société. Or, tel n'est pas le cas et les feux d'artifice ont une fonction de divertissement tout à fait louable. Surtout en ces temps troublés. C'est bien l'usage détourné qu'en font certains acheteurs qui les transforment en armes par destination qui est répréhensible au premier chef et qui oblige le législateur à encadrer davantage le commerce de ces produits. Mieux vaut donc maintenir une répression légale des deux côtés de la transaction commerciale. Donc j'en suis désolé, cher collègue Éric Diard, ça sera un avis défavorable, sinon, sauf retrait. C'est bien retrait. Ciotti, l'amendement du collègue Éric Ciotti, Spec Éric Ciotti. Je vous remercie. Donc, je mets aux voix avec avis défavorable rapporteur qui est pour. Alors, je vous le remets, j'ai mis sur le VLC et je l'incorpore. Il n'est pas adopté. L'amendement d'Éric Ciotti, pareil, défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Il y a un amendement ensuite de M. Blanchet. Il est défendu, M. le rapporteur. Il sera défavorable. Donc, je le mets aux voix qui est pour. Qui est contre, il n'est pas adopté. Monsieur Diard pour le 25. Alors, le 25, oui, il s'agit là aussi d'être beaucoup plus sévère là, pour la personne justement qui va se servir du dispositif pyrotechnique de manière détournée. Donc, je ne comprends pas qu'on mette là sur le même. D'égalité, l'acquéreur et le vendeur. Je souhaite que l'on soit bien plus sévère pour celui qui va. Alors, le vendeur, évidemment, n'a pas à le vendre, mais celui qui va s'en servir contre les forces de police et je souhaite une plus grande sévérité.
Je vous remercie, Monsieur Diard, Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, cher Héridiard, la pénalisation de l'usage du mortier d'artifice à des fins détournées existe déjà. Soit c'est une dégradation de biens publics et c'est puni de 5 à 10 ans d'emprisonnement, soit c'est une violence avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique et c'est puni également d'au moins 10 ans d'emprisonnement, sans réduction de peine bientôt. Hein. Votre amendement aurait pour effet d'abaisser le quantum des peines encourues. Je ne pense pas que ce soit votre but. Je vous recommande donc le retrait de l'amendement. Sinon, ça sera un défavorable. J'en suis désolé. Je vous remercie, Monsieur Diard. Je vais le retravailler et donc le retirer. Ouais, je vois, ça très bien, donc l'amendement est retiré, c'est noté. Et le 291, il est défendu. Monsieur le rapporteur. Il est défavorable. Je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 30 dans son ensemble, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Article additionnel, après l'article 30, il y a un amendement de Madame Lazare. Il est défendu. Monsieur le rapporteur. Demande de retrait ou avis défavorable, pardon. Avis défavorable. Donc je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Un autre amendement de Madame Lazare, donc défendu, monsieur le rapporteur. Je mets la schlag, désolé. Et pour un moment, je vous le partage. Donc je le vois qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Monsieur Rebérotte, pour la présentation de l'amendement 317. Deux amendements qui viennent de la mission que nous portons avec Stéphane Peu sur les CLSPD. Alors, beaucoup de choses relèvent du réglementaire. Deux points relèvent du législatif. L'idée, c'est de contraindre, mais de faire en sorte que dans les communes de 5 000 à 10 000 habitants puissent se créer des CLSPD sans obligatoirement être dans une forme très, aboutie du CLSPD. Mais en tout cas, on constate qu'il y a des faits de délinquance aujourd'hui, y compris dans des communes de cette taille, et qu'il est important qu'il y ait un dialogue et une stratégie autour de la prise en compte de la sécurité publique. Et donc, ça nous paraît extrêmement important. Ça vient des auditions que nous avons eues. Et par contre, pour les communes de plus de 10 000 habitants où les CLSPD sont déjà obligatoires, on s'aperçoit qu'ils ne fonctionnent véritablement bien que s'il y a un coordinateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est chargé de cette politique publique, de travailler sur ces questions-là auprès de l'ensemble des acteurs. C'est un réseau important à organiser, ce sont des groupes thématiques à organiser, c'est des réunions éventuellement du GLTD à organiser, ça demande véritablement une personne qui travaille sur ces éléments-là, et c'est pour cela que nous vous proposons ces deux amendements. Je vais vous taquiner, Monsieur Rebrotte, ça veut dire que vous êtes prêt à nous rendre les conclusions de la mission relative au CLSPD ? Ce sera fait d'ici la fin de l'année, Madame la Présidente. un peu avant la fin de l'année serait souhaitable, Monsieur le rapporteur. Nos auditions sont le jeudi, alors le problème, c'est qu'on nous fait régulièrement... Bon, ok, on s'en fout de Rebrotte, c'est vraiment... Lui, je le déteste, il est insupportable. Mais les CLSPD, c'est très important. Dans le livret sécurité de la France Insoumise, on avait déjà mis qu'on voulait une réforme des CLSPD pour mieux intégrer la vie des citoyens. Alors attendez, bougez pas, ça frappe à la porte. Je reviens, j'arrive. Bon alors, mon petit garçon vient de donner une enveloppe, il m'a dit « Tiens papa, c'est pour les ministres !» Il a 4 ans. Hein. Ouh, il y a quelque chose, on va l'ouvrir. Ah, voilà! C'est un amendement! Eh! C'est le fils de son père! Ouh! Bon, allez, on remet le direct, pardon. Mission Flash pour prendre cette décision, parce que du coup, on obère sur les préconisations qui seront faites de l'excellente Mission Flash de M. Rebérotte et peu. Je taquine. Ouais, je vous parlais de la réforme des CLSPD. Et on fera des amendements sur le sujet pour la séance. C'est prévu. Et ce qui est dingue, c'est qu'on fait la loi, alors qu'on n'a pas fini le rapport sur les SPD, il n'y a toujours pas le livre blanc sur la sécurité qui est publié. On s'en fout, tout ça est une vaste blague et mascarade, c'est de la politique politicienne, c'est insupportable. Je vais les rendre dingues en séance. Dingue. Comptez sur moi, 17 novembre les gens, on se donne rendez-vous. Vous ferez des live Twitch pour commenter ce que je raconte dans la séance. Hein ? Non,
fonctionne, Alerte Commerce. Celui-ci crée un canal de communication entre les commerçants et les forces de l'ordre qui permet d'alerter gratuitement par SMS les commerçants, artisans, prestataires, pardon, j'ai mon petit garçon qui faisait éruption là. Et du coup, je vous ai pas remis le son du direct. SMS. Un signalement téléphonique. C'est quoi le SMS là ? 17, ce qui permet aux commerçants de réagir et de se protéger. L'alerte SMS fonctionne déjà, a déjà des résultats positifs. Exemple, justement, dans le Jura, de SMS qui ont été reçus par 600 commerçants dans un délai de 30 minutes environ. D'autres départements le mettent en œuvre. Je sais que la Loire-Atlantique travaille sur cette alerte SMS par l'intermédiaire de la CCI et donc de l'État. Donc il me paraissait judicieux, dans ce contexte de cette proposition de loi, d'appeler à la généralisation sur l'ensemble du territoire. Je vous remercie, mon cher collègue, monsieur le rapporteur. C'est quel amendement là ? Oui, cher collègue, généralisation ne sera pas demandée. Par contre, si l'objet de l'amendement consiste à interpeller le ministre sur ce point précis, on demandera son retrait et on pourra lui demander en séance de. Je vois que c'est sur la rappel à l'ordre. Comme on en avait convenu, savoir si il peut demander au préfet éventuellement de pousser ça. Il y a un décalage de ouf encore là. Je le retire et effectivement, ça sera important de mettre en valeur ce travail et ce système d'alerte SMS. Je vous remercie. Donc vous retirez le 134 et concernant le 136, pareil, retiré, même avis, madame. Je retire, oui, il s'agissait cette fois-ci du rappel à l'ordre pour les maires. D'accord, qui est très peu utilisé. Ça serait intéressant de creuser ce retard, sujet. Ça participe aussi au continuum de sécurité. Je pense qu'il s'agit d'intégrer le maire auprès de nos forces de police sur ce système de rappel à l'ordre. Je vous remercie, madame la rapporteure, sur cet amendement. Oui, même si l'avis sera défavorable ou une demande de retrait, je crois que je vous remercie de souligner cette procédure, hein, c'est pas vraiment une procédure, mais cette possibilité qui est ouverte au maire, qui est le rappel à l'ordre et qui fonctionne très bien. Nous, on a pu échanger avec des élus locaux qui trouvent que cette pratique est tout à fait salutaire et efficace. Je vous remercie, monsieur Rebérotte. Oui, il y a même des CISPD qui ont aujourd'hui une convention autour du rappel à l'ordre, notamment à Toulouse, mais dans d'autres. Et nous nous tenons à disposition pour vous faire passer, dans le cadre du rapport, tous les éléments nécessaires. C'est attention, Zarguet, je ne suis pas sur OBS, je suis sur Streamlabs. On sera ravis de le lire en exclusivité. Donc le 136 est retiré, madame. On va se mettre un chemin. Oui, tout à fait retiré. Très bien, c'est noté. Alors après les 138 et suivants, là on a une série de monsieur Nejlen. Je ne sais pas si quelqu'un, personne ne les défend, donc il est juste défendu. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Défavorable, donc je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre, quel terme, qui n'est pas adopté. Le deuxième est pareil, défendu, défavorable également. Merci, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Madame Obono pour la présentation de l'amendement 181. Il s'agit d'une demande de rapport pour faire le bilan de la mission Sentinelle, au titre de laquelle sont déployés des militaires sur le territoire national, de notre point de vue, et ça fait aussi partie, je crois, des débats qu'il peut y avoir au sein même de l'armée et des différents commandements sur la cohérence en fait du déploiement de ces unités et parfois en fait les retours négatifs qu'il peut y avoir sur l'épuisement des militaires, sur la perte du sens aussi de leur mission. Ça a été des remarques qui ont pu être faites lors de débats publics ou dans des articles de presse qui évoquaient ce bilan, et donc il nous semble important de l'avoir, et nous voulions aussi rappeler, parce que nous semble qu'il y a par trop une confusion et un amalgame entre les différentes missions, entre la sécurité intérieure, qui doit être du ressort de la police, et entre la défense du territoire national, qui est celle de l'armée. Et nous pensons qu'un rapport de ce point de vue-là permettrait peut-être de redessiner des lignes plus claires entre ces différentes missions. Ça coûte un peu Je vous remercie, madame, monsieur le rapporteur. Oui.
Les pratiques constantes, la commission des lois procède elle-même aux missions d'information et aux enquêtes qui lui semblent nécessaires. Les missions de contrôle ne se délèguent pas, et encore moins au gouvernement, qui est le plus souvent l'objet de ce contrôle. Donc ça sera un avis négatif. Je vous remercie. Donc je vais mettre au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. L'amendement suivant, Madame Pollange. C'est quoi, j'ai l'impression que j'ai une minute de délai. L'article 31, et donc c'est une série d'amendements du gouvernement de coordination. Merci à Brabaz, merci Outre-mer, donc le 407. Bon, ben on arrive au bout. Madame la rapporteure, votre avis? Oui, c'est un avis favorable sur tous ces amendements de coordination pour les Outre-mer. Je vous remercie. Donc je mets au voie l'amendement 407. Après, c'est le dernier. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de délais. 407. Du gouvernement qui reçoit un avis favorable, qui est pour, qui est contre. Cet amendement est adopté. Donc, il rédige l'article 31. Et article additionnel après article 31, l'amendement du gouvernement, le 408. Donc, il reçoit un avis également favorable de la rapporteure. C'est une coordination outre-mer, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. L'amendement 409 du gouvernement, qui est également une coordination arénas, outre-mer. Avis favorable de la rapporteure, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 410, une coordination outre-mer également du gouvernement avec avis favorable, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 411, une coordination outre-mer, avis favorable, qui est pour, qui est contre, bon, adopté. Voilà. Et enfin, le 440. On va laisser peser, c'est plié. Donc, excusez-moi, donc ça c'était additionnel. Bon, bah, désolé, après, on n'a pas pu être là au 31, tout début de l'article 24. 32, un amendement du gouvernement de la levée de gage, parce qui est que pour, j'avais des trucs à faire ce matin. Contre, sur la est adopté. Et nous en avons fini. C'était très intéressant d'ailleurs, la commission d'enquête maintien de l'ordre, puisque François Molins, par exemple, le procureur de la Cour de cassation, il s'est dit opposé à l'article là, sur le fait de mettre un délit, sur le fait de filmer les policiers. On a appris des choses intéressantes, on vous fera des extraits vidéo dès que ce sera mis en ligne de ces questions et de ces réponses. Bon allez, je coupe le son direct. Blablabla. Merci Daniel, merci Daniel, merci Daniel. Rendez-vous en séance, ça a coupé, allez on s'en fiche. Salut, ciao, bonsoir. Ah. Si en plus vous voyez mes messages, ça va pas du tout. Pourquoi ça fait ça? Hop. Hop. J'en mets ma tête en grand. Je donne ma main ici. Plus bas. Là, comme ça. Allez, on va faire ça comme ça. Ok. Bon, bah, c'était cool. Je vais les pourrir en séance. Comptez sur moi. On va. Ça va. Non, j'allais dire des gros. De certes, je vais pas le faire. Merci d'avoir écouté. D'avoir suivi en train de rager. Je me sentais moins seul. Vous aussi, j'espère. Des gros bisous à Daniel. D'ailleurs, je vais envoyer un petit message. Hop. Hop. Allez hop, je vous dis des gros bisous à Daniel du début Twitch et du chat. Ça va, tout le monde est d'accord? Vous voulez faire un vote pour savoir si on lui envoie des gros bisous ou pas? Non, on fait pas de vote là, hein. On est d'accord. Comme Olivier Véran. C'est une blague. Alors attendez, parce que avant de vous sauver, restez un petit peu. Donc je vous disais, il y a eu des auditions de la commission d'enquête sur le maintien de l'ordre des socialistes ce matin. C'était pas en direct parce qu'il y a eu un problème technique. Donc ce sera mis en ligne en différé. Je sais pas si c'est déjà sur le site de la haine. On verra et on fera des extraits vidéo parce qu'il y a des trucs intéressants qui ont été dits par François Molins. Et si je vous dis pas de bêtises, il y a un certain David Guiraud qui est en direct sur, qui faisait la même chose. Copieur. Je sais pas s'il faisait le direct, mais ou s'il parlait juste de la PPL Sécurité Globale. On va aller voir s'il est toujours en ligne et on va lui faire un bon vieux gros raid. Hmm?
Alors, attendez, faut que je coupe l'audio du bureau, sinon vous allez entendre. Ah, si, c'est coupé. David Guiraud, il est là. Eh, hey, il a 104 spectateurs. Il a sa cour, hein, le monsieur Guiraud. Bon, on le raid. Allez. Bien fait pour lui. David Guiraud, tout attaché. Non, je raid pas Gabriel Attal. Il quoi? Il est en ligne, David Guiraud. Alors. David Guiraud. On le raid déjà. Oui, c'est lui, c'est lui, c'est David. Allez, on raid. Boum! On va voir ce qu'il va voir, le David Guiraud. C'est qui déboule, là? Il est peut-être bon, mais il n'est pas député. Eh ouais. La République, c'est pas lui. Pas encore, bientôt. Un excellent député, le moment venu, celui-là. J'espère. Le raid des familles, ouais, c'est ça. Je lance, c'est bon, tout le monde est dessus? Ouais, je crois que tout le monde est dessus. C'est parti. Bisous, les gens. Je vais peut-être aller sur son live, en fait. Donc, on se revoit peut-être tout de suite. On verra. C'est parti. Faut mieux être bon que député, ouais. Allez, on va dire ça. Bisous, les gens. Wow.
We'll be right back.